Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Je voudrais qu'on parle du sujet de la stérilité. Donc, je demande la sagesse pour pouvoir vous ouvrir ce sujet assez délicat pour certaines personnes. Vous savez, nous vivons dans une époque où on a les réseaux sociaux. Bonsoir, la reine du ciel. On a les réseaux sociaux, on a les influenceurs qui nous influencent, bien sûr. Et sans le savoir, on est très impacté par l'opinion des autres. Est-ce que vous savez que c'est carrément impossible aujourd'hui de vivre sa vie bien avec son mari quelque part? Ou encore, de décider de ne pas se marier et on te laisse tranquille. Ou de décider de ne pas avoir d'enfant et on te laisse tranquille. Quand je vous donne ces raisons-là, vous aurez toujours quelqu'un autour de vous qui va commencer à dire, il est temps que tu aies des enfants. Il est temps que tu te maries. Il est temps que... Vous savez que vous pouvez vivre une situation traumatisante. Peut-être avec la famille, papa et maman vous ont eu peut-être et chacun est parti de son côté. Donc vous avez grandi avec la grand-mère. Et quand vous grandissez, vous décidez de ne pas avoir d'enfant. Parfois vous ne décidez pas ouvertement, mais vous sabotez vos relations. Parce que à l'intérieur de vous, quelque part, vous vous dites que vous ne méritez pas qu'un homme vienne et qu'il reste avec vous. Donc, du coup, vous commencez à... Vous commencez une relation, vous fuyez. Vous commencez, vous gâtez la relation. Vous commencez, vous gâtez la relation. Et beaucoup de personnes négligent un peu ce que je suis en train de dire là, mais ça a un impact énorme. Parfois, c'est bien de rester comme ça et de faire. Tu restes et tu regardes en arrière. Est-ce que vous êtes vraiment libre? Tout récemment, je me suis rendu compte que je ne suis pas libre. Tu as ton argent, parfois même dépenser ton propre argent, tu n'arrives pas. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui veulent te montrer comment tu es censé dépenser ton argent. Tu n'as pas le droit d'être avec qui tu veux. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui vont penser qu'ils connaissent ce genre de personnes qu'il te faut. Vous savez, moi je réfléchis beaucoup. Je suis une penseuse. Moi, si je reste au milieu des gens comme ça, pendant que vous êtes en train de me bavarder, manger la nourriture, moi je réfléchis. Je dis, mais pourquoi telle chose est comme ça? Pourquoi cette fille qui était dernière à l'école, elle est maintenant mariée, elle a ses enfants? Le mariage a ses perspectives. Tu peux voir une autre personne, elle s'est mariée à 23 ans. Aujourd'hui, elle a 35 ans. Elle a 4 enfants dans le mariage. Elle n'est pas heureuse. Elle te voit, toi. Tu as fini l'école un peu plus tard qu'elle. Ou bien, quand elle est partie se marier, toi, tu as continué, tu as fini, tu as eu la maîtrise. Après, tu es parti en Europe. Après, tu as fait ceci, cela en Europe. Tu as fait 10 ans en Europe. Tu as trouvé que bon, il faut que tu rentres au pays. Et puis, tu reviens. Quand tu arrives en Europe, tu as fait un mariage de 7 ans. Ça n'a pas marché. Tu n'as pas eu d'enfant. Tu reviens au Cameroun. Quand tu reviens,
Tu connais déjà ce que c'est que les missions de vie. Tu connais déjà ce que c'est que le coaching. Tu veux devenir coach ou tu es même déjà coach. Il y a de fortes chances que tu t'asseyes devant cette femme. Elle te regarde, elle envie ta vie. Et toi, tu la regardes, tu envie sa vie. Je vais un peu embrouiller vos cerveaux ce soir, donc vous allez savoir m'écouter. Elle va t'envier parce qu'elle va trouver que non, tu es parti en Europe, tu peux faire ce que tu veux. Quand je vois comment tu parles, quand tu parles, tu as confiance en toi. Non, vraiment. Et tu n'as même pas un homme dans ta vie qui te dit ce que tu dois faire. Regarde-moi, j'ai des idées de business jusqu'à... Vraiment, je ne peux pas avec mon mari m'empêche. Et tu vois, il y a la belle famille, tu ne peux pas faire... Tu ne peux pas te lever comme ça, tu décides de faire quelque chose. C'est ce qu'elle te dit. Toi, tu la regardes. Tu dis, waouh, tu as 4 beaux enfants. Moi, j'ai passé 15 ans en Europe, je n'ai même pas d'enfants. Mon mariage que j'ai fait, ça a échoué. Si vous n'apprenez pas à dissocier sa vie, votre vie, et comprendre que votre chemin est totalement différent du chemin de cette femme ou de cet homme. Sinon, vos sujets de prière vont changer. Seigneur, je veux me marier. Je veux me marier. Je veux les enfants. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu leur premier enfant. D'autres que tu es tombé enceinte du premier enfant, tu avais peur de tes parents. Tu es allé, tu as évacué. Maintenant, tu as 30 ans, tu as 32 ans. Tu dis que tu veux l'enfant. Je veux ouvrir votre esprit aujourd'hui en tant qu'Africain. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui me regardent. Vous savez, quand le blanc s'est assis, il a dit, si tu vas adopter l'enfant, pas tu adoptes. Il n'était pas fou. Certains d'entre vous, vous avez essayé depuis 5 ans d'avoir l'enfant. Chaque mois, chaque premier, chaque 5 du mois, quand tu as tes règles, dès que tu vois tes règles comme ça, tu commences à pleurer. Tu commences à douter de toi. Tu commences à dire, oh, on m'a bloqué. Tu commences à... tu te tues toi-même. Et tu mets ta valeur dans le fait que ton corps n'a pas encore conçu. Ou que ton corps ne conçoit plus, alors que tu as 2 enfants. Tu commences à dire, voilà, je suis avec l'homme depuis... Il y a une qui m'a contactée, elle avait 43 ans, non, 44 ans. Son mari a 39, il n'a pas encore d'enfant. Elle a un enfant. Avec cet homme, elle a fait un enfant. Et l'enfant est sorti malade mental. Elle est déjà à 43, elle a 44 ans. Elle stresse. Chaque mois, elle veut se tuer. Voilà, si je ne lui fais pas l'enfant, il va partir dehors. Oh, hey, voilà, je ne peux pas le punir comme ça. Je vais d'abord prendre le cas des femmes. Après, je vais prendre le cas des hommes. Tu sais, quand tu sors avec un homme ou tu es marié avec un homme, il peut y avoir certains hommes qu'il accepte.
qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Il accepte sincèrement. Hein. Ça n'enlève pas son bonheur. Ça n'enlève pas l'amour qu'il a pour toi. Arrête de quantifier l'amour qu'un homme peut avoir pour toi à travers le nombre d'enfants que tu vas lui donner. Ça, c'est te faire du mal. Ça, c'est te faire du mal. Et beaucoup d'hommes à leur tour, quand l'homme dit souvent qu'il veut l'enfant, c'est seulement parce que sa mère lui met la pression. Ou bien elle a vu les amis. Ah, tu sais, mon ami, tous mes amis, j'ai il y a 40 ans, tous mes amis ont il y a les enfants. Chérie, faisons aussi l'enfant, non? Il commence à te mettre la pression. Bonsoir, Emmanuel. Oui, ce n'est pas venu, pourquoi? Pourquoi tu n'as pas conçu le mois-ci? Ah. Il ne connaît pas la bataille intérieure que tu as à l'intérieur de toi. La bataille intérieure que tu as. Avançons les choses un peu. Allons en avant. Tu conçois. Ouais, j'ai l'enfant. Ouais. 2 ans plus tard, il a son salaire. Il n'achète rien pour l'enfant. Que vous soyez ensemble ou pas, il y a des hommes qui vivent avec la femme, ils ne font rien sur l'enfant. C'est la femme qui doit se démêler pour tout acheter. La femme se retrouve en train de porter le fardeau. Tu dois prouver que tu connais faire l'enfant. Après, l'enfant devient ton fardeau. L'enfant ou les enfants. Tu portes seul. Les gens qui t'avaient mis la pression que tu viens faire l'enfant là, ils sont où? Parce que je cause avec vous à longueur de journée. Ah, je n'ai pas l'enfant. Je n'ai pas l'enfant. Hein? Je n'ai pas l'enfant. C'est pas comme je suis là, je ne suis pas mariée, je ne suis pas mariée. Est-ce qu'on t'a formé pour le mariage là? Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi? Bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent de se connecter. Bonne fête aux Camerounais. Si tu regardes dans le fond de la chose, parfois tu es un homme, tu n'as même pas encore un boulot stable. Tu ne connais pas encore ce que tu veux faire de ta vie. Mais tu veux te marier. Parfois c'est une femme. Tu vas la voir, quelle est ta... Tu as fait quoi comme formation? Tu connais pourquoi... elle ne se connaît pas, elle ne se connaît pas. Elle ne s'est pas découverte. Elle ne connaît pas pourquoi elle est sur la terre. Elle ne connaît pas ce qu'elle doit passer à ses enfants. Et comment avec les déceptions comme ce soir, non? Ok. Accrocher à quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'à une époque de ma vie, je suis sortie avec un homme parce que ma cousine trouvait qu'il est bien. Je cherchais tellement l'approbation de ma cousine. Je sors avec la personne. Parfois, tu sors avec lui parce qu'il est camerounais ou parce qu'il est de ton village. La vraie personne que tu sentais que tu devais être avec la personne, peut-être la personne était plus jeune que toi, peut-être la personne était trop âgée par rapport à toi. Peut-être la personne était blanche, toi tu es noire. Tu savais que ta famille n'allait jamais accepter. Vous savez, là, on court pour vivre, mais malheureusement, on se retrouve prisonnier. Il dit que
Chaque fois, moi, je regarde mes prisons, je dis, je crois qu'elle était libre. Je crois qu'elle était libre. Je pensais qu'elle était libre. On veut tout contrôler de toi. Pourquoi tu pars là-bas? Pourquoi tu as embauché l'homme-ci? Je ne veux pas que tu travailles avec lui. Oh, pourquoi tu sors avec l'homme-ci? Ah, pourquoi tu as donné l'argent à telle personne? Écoutez. Couchez-vous cette nuit, vous vous demandez, est-ce que je vis pour plaire aux gens? Parfois, ce sont les gens qui vivent chez toi. Hein. C'est toi qui paies le loyer. C'est toi qui les nourris. Mais ce sont eux qui viennent te dicter comment tu vas vivre. Et tu acceptes. Ça peut être un oncle, ça peut être ton père. Ça peut être même un de tes dragueurs, Ticone. Il vient s'installer chez toi, il commence à te dire ce que tu dois faire avec ton argent et ta vie. Tu vas acheter quelque chose à ton enfant, on va te regarder bizarre, alors que c'est ton argent même. Hugo Boris, qui t'avait ta fatigue, ne mets pas la fatigue sur moi, tu as compris? Tu as compris, non? Vous êtes derrière votre caméra, je vous vois. Tu as l'air bien épuisé, et puis quoi? Faut pas faire, comment ça m'a pas super ici? Comment? Les gens sont en train de vouloir mettre leurs paroles sur les gens. Et t'as dit que je suis fatigué. Il te dit que je suis fatigué. Même si je suis fatigué, c'est toi qui vas me faire me reposer. Okay. Tant que tu ne te remets pas en question, de temps en temps, tu veux un check-up. Parfois, vous, oh, marie-toi, marie-toi. Dès que tu te maries, et juste avant le mariage, tu vois les défauts de l'homme avec qui tu veux te marier. Tu dis, hey, est-ce qu'il veut supporter ça? Hey, est-ce qu'il veut supporter ça? Après, tu dis que non, si j'arrête le mariage en route, c'est qu'on va dire que j'ai fait la honte à la famille. Donc voilà, tu avances comme si on t'amenait à l'abattoir. Tu pars entrer, tu te maries. Tu sens que l'abdomen. Évidemment, Pierre, Pierrette, tu n'as même pas le droit de te faire plaisir. Tu as ton enfant et à leurs enfants. Pour acheter, tu dois acheter pour eux. Ce que tu achètes à ton enfant, tu achètes la même chose à leurs enfants. Gars, j'ai arrêté ça depuis longtemps. I don't stop that. J'ai maintenant compris que j'ai le droit de donner quelque chose à ma fille, je ne donne à personne d'autre. J'ai le droit. J'ai le droit de rester, j'achète ma chose. Je porte, je donne même à un dragueur. Pour rien qui paye, il dépense le tout. C'est mon argent, non? C'est mon argent, non? Porte, tu donnes même à un sugar, là. C'est pour ça qu'il ne faut pas regretter les argent que vos sugar vous ont mangé, mes chéris. Il était chaud, non? On t'avait plus, non? N'est-ce pas? Tu regrettes pourquoi? Sans le savoir, on est adulte, on part au boulot, on travaille. Tu peux avoir même 35 ans, tu décides que tu vas adopter l'enfant. Tu passes ta procédure. Au Cameroun, il y a les procédures, ça peut te prendre entre 6 mois et 1 an et demi. Peut-être même plus ou moins, je ne sais pas. Pas moins que ça, mais plus que ça, peut-être. Au moins 6 mois en tout cas. Tu adoptes l'enfant. Tu adoptes l'enfant, oui. Ce n'est pas l'enfant de ta soeur, ce n'est pas l'enfant de ta cousine. Tu adoptes. Hé, hé, as été des blancs. Comment tu es parti chercher? Tu as les enfants dans la famille, tu vas chercher l'enfant de dehors. Parce que si tu touches l'enfant de quelqu'un qui est ici, là, voilà les problèmes que tu as mis sur toi. Bête à Noël et septembre, je vous aide. Noël et septembre, fête de la jeunesse, je vous aide. Oui. Après, on m'a dit que, accouche ta part. Faut accoucher, t'as pas d'enfant. Laisse mon enfant. Alors que ça fait 10 ans que je t'occupe de l'enfant là.
Ça fait 10 ans que tu fais tout. Tu as même pris, sur les papiers, c'est toi qui. L'enfant là est ton enfant. L'enfant est venu chez toi vivre en France ou en Angleterre. Aujourd'hui, on te parle fort sur l'enfant. Et tu sais qu'il y a les sujets, quand on touche le sujet de l'enfant là, mof, ils ont vos mots. Déjà, quand tu étais la première à partir en Bengla, ils n'étaient pas contents. Donc, on te calculait depuis. On te calculait. On a bloqué ton ventre là. Quand on a vu, tu n'as pas accouché là, on dit yes. Ou tu accouches, on fait tes enfants restent en Afrique, toi tu restes en Europe. Oui. On te dit, bon, tu sais, tu vois la petite cousine là, non, oui, elle a accouché. La fille de ta soeur accouche. Donc c'est la petite fille de ta soeur. On te dit, adopte le bébé là. Tu adoptes. Ils ne vont jamais te donner l'enfant là. C'est ressemblant. De temps en temps, tu as les habits que tu vas envoyer ou acheter. Mais dis que tu dis que voilà mon enfant, parce que sur le papier, c'est ton nom. Hein. Non, ils ont fait ça pour que l'enfant là ne souffre pas. C'est tout. Maintenant, vous devez savoir dissocier. Vous savez, j'admire beaucoup cette dame, Oprah Winfrey. Elle a 63 ans, je pense. Elle n'a pas d'enfant dans sa vie. Elle a accouché quand elle avait 14 ans. On l'avait violée, elle a accouché. Et l'enfant est mort après. Plus tard, elle a décidé qu'elle ne veut pas être d'enfant. Elle a décidé. Pierre, Henri, tu lis mes dégagements. Hein? Oh, Guica. Quand elle a décidé qu'elle ne va pas accoucher comme ça, elle a maintenant pris les filles, elle s'est occupée des gens, les envoie à l'école, à l'université après, elle a pris les orphelins, les occuper d'eux. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes que vous me regardez. En fait, d'enfants, c'est un truc que même à minuit, si on te réveille dans le sommeil, tu vas dire, oh l'enfant, l'enfant. Il faut que tu libères ton cœur. L'enfant, ce n'est pas seulement l'enfant qui est sorti de ton ventre. La preuve, certains de vos enfants vous ont déçu. Tu as accouché l'enfant dans l'enfant. Tu n'arrives pas à croire que c'est lui qui est sorti de ton ventre. Tu n'arrives pas à croire. Ça, c'est ma version à moi. Je pense que ton enfant, c'est celui-là. Parfois, ton enfant peut avoir seulement 10 ans de moins que toi. Parce que j'ai des fils et des filles spirituelles. Quelqu'un qui te respecte, qui t'honore. Qui écoute ce que tu dis. Maintenant que j'ai des grands enfants, je comprends pourquoi mon père aimait beaucoup. Il aime toujours l'obéissance. Quand mon père te parle, tu n'entends pas ce qu'il te dit. Hey, ça l'énerve jusqu'à. En fait, il ne parle même pas. Il te dit quelque chose une, deux, trois fois, tu ne fais pas. Il se tait. Mais après, je me disais que papa, tu te fâches pourquoi? J'ai compris qu'il n'aime pas la têtutesse. Parce que quand il te conseille avec les poumons. Il met tout dans. Il me dit que comment il te donne le meilleur de ce qu'il connaît. Maintenant, vous devez comprendre que il y a certains enfants que vous avez aidés. Qui donc, dans leur cœur, vous êtes comme leur mère. Parce que la mère châtie aussi, hein, ou le père châtie aussi. Le père, c'est... Et le père, ce n'est pas le père biologique. J'ai une de mes filles spirituelles. Là. Son père, là, lui, avec sa mère, ils sont séparés. Son père est parti loin, loin, loin. Sa mère aussi est partie loin, loin, dans un autre pays. Elle est au Cameroun avec sa grand-mère et ses tantes. On l'a menacée. De l'âge de 27 ans, elle est venue vivre avec sa mère. Henri, tu sais quoi, moi je ne récupère plus les enfants comme ça. À faire des mères spirituelles. Oh. Un enfant spirituel que tu ne peux pas châtier. Ce n'est pas seulement un enfant spirituel que tu me vois à la télé comme ça. Non, jamais. Cette fille-ci, le mari de sa mère, ça fait moins de 10 ans que l'homme-là la connaît. L'homme-là l'a fait asseoir. Il lui apprend tout ce qu'il connaît dans son business. Comment faire les commandes, comment gérer le stock, comment gérer les employés, comment gérer ceci. Et l'homme-là est milliardaire, s'il te plaît.
millionnaire en dollars. Elle vient l'autre jour, elle me dit, oh, maman, tu sais, ah, le père là, il me... Ah. Je dis que tu sais quoi? Ce que l'homme l'entend te montrer actuellement, même ton vrai père. Et elle me dit qu'on a retrouvé les traces de son vrai père, père biologique. Le père biologique l'a renié, Roha. L'a renié cash. Tu vois, quand ton père avait 25 ans, il te renie. Lorient Bayoro, supporte seulement, tu as compris. Je lui dis que ma chérie, le père si que tu as là, que tu dis que ce n'est pas ton père biologique. Un père te prend. Il prend les terrains, il met à ton nom. Ha. Un père, comme on dit que père ou mère, c'est celui qui s'assure tes arrières. Il te conseille comme ça va t'aider dans la vie. Certains d'entre vous, vous allez m'écouter, vous allez voir que vos pères, que vous dites que c'était mon père biologique là. Ton vrai père là-bas dehors. Parce que c'est lui qui t'a tout montré ici dehors. Que si tu appelles à minuit, tu as refait n'importe quoi. Même si c'est ton dernier argent dans ta poche là, tu vas le donner. Parce que tu connais comment l'homme là t'a guidé. Tu avais besoin du crédit à la banque pour faire ton business. Ton vrai père dit, ah, tout le monde a fui. Le père est parti se mettre garant pour toi. Le père, c'est pas seulement celui qui est parti mettre le sperme dans ton ventre de ta mère. Écoutez. Parce que parfois, vous-même, souvent, vous déshonorez même encore vos pères là. Que quand il te guide, il te guide, il te guide. Après, ton vrai père vient, tu oublies celui-là. Tu le jettes au champ. Ah, il reste seulement derrière, il regarde. Non. Quand ton vrai père vient, il mange encore l'argent que le père là t'a aidé à acquérir. Il mange, il mange, il mange. Après, il fuit. Chaque fois qu'il t'appelle, c'est quand il veut l'argent. Moi, je raisonne beaucoup comme les... Je sais pas, c'est comme les blancs. Je raisonne bizarrement. Ma part de raisonnement là est seule. Tu m'aimes à 85%, Marie. Même moi-même, je ne m'aime pas à 100%. Hein. Vraiment, ton pourcentage l'est beaucoup. J'ai mes phases, ma chérie. Si je me rencontre dans la vie, c'est que je ne veux pas m'approcher. Je ne veux pas passer à côté de moi. Parce que moi, là, je suis insolente, je suis désagréable. Si, donc si elle me duplique, je rencontre une femme dans la rue comme moi, je ne vais pas passer à côté de moi. Et parfois vous êtes en train de vous morfondre sur des situations. Oh, mon gars m'a quitté. Depuis que tu avais ton gars, il t'a aidé à faire quoi? L'argent que j'avais économisé, il est venu, il a pris, il a dépensé. Oh, il m'a fait les enfants, il est parti. Est-ce qu'il s'occupe des enfants? Non. Je le force même pour qu'il donne la pension alimentaire. Mais tu es bête. Tu es folle. Ne vous laissez pas influencer par les paroles des gens. Prenez les gens au pied du mur. Avec les faits. Avec les faits, les actions. Moi, je peux vous dire personnellement. Je me suis retrouvée dans une situation de ma vie où j'avais besoin d'aide. J'appelle partout. Après, Dieu m'envoie un homme. Oh là là. Il vient le jour où je l'ai rencontré, mon corps a vibré. Donc j'ai senti que j'ai rencontré un nouveau père là-bas. Premier jour, ma fille chérie. Tout le temps, ma fille, tu fais quoi mal la fille, ma fille. Me montrer comment le business fonctionne. Me montrer par quoi je dois commencer à investir. Me montrer. Dit que je suis roi. Non, apprenez à rêver. Quand tu es caché dans la vie, ça te libère. Ça te libère. Tu as quelque chose dans le cœur, tu dis. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi, quelqu'un lui a tenu la main, même si ce n'est pas son père biologique, il a souffert. Un jour, il a trouvé quelqu'un. Quelqu'un qui a dit, viens pas ici. Viens que je t'amène à une banque qui va te donner 10 millions.
Les 10 millions, là, le père, le gars prend, au lieu de faire son petit kiosque, il loue une fois un endroit, il fait quincaillerie. Quelqu'un a tenu la main de l'homme là. Vous voyez que demain, quand il sera milliardaire, il va dire que qui est son père. Celui qui connaissait mais qui ne voulait pas endommager ses relations pour son enfant. Parce que croyez-moi, il y a des gens qui sont partis s'entêter à la Réunion pour vous envoyer en Europe. Voilà vos parents là-bas, voilà ton vrai père, ta vraie mère. La personne s'est endettée que non, l'enfant se doit partir en Europe. Un jour, je me rappelle, j'ai un ex là. C'est le temps là que j'ai su que l'ex là et moi, ça ne peut pas... On arrive au pays pour voir sa famille. Dans cette période-là, sa famille était en froid avec son oncle. J'ai dit que tu sais quoi, étant donné qu'on veut faire un truc ensemble, on veut se marier. Joseph Koum, tu sais quoi? Voilà. Je dois appeler tous les membres de ta famille. Vigile, quand elle parle de père, toi tu l'as regardé comme ma peau. Hein. Maman, il sait qu'elle veut te dire qu'elle fait mon gommage avec quoi. Quand tu vas me voir physiquement, tu vas le voir. Hein. Ceux qui m'ont déjà vu physiquement, ils confirment eux-mêmes. C'est Dieu qui a donné ma vie. Je vais vous sortir les recettes. Je pense aussi que c'est ce que je mange. Je mange beaucoup de fruits jaunes, beaucoup de légumes. Je ne prépare pas beaucoup la nourriture. Je ne cuis pas beaucoup la nourriture avant de manger. Ouais. Je bois aussi beaucoup d'eau. Ok. J'appelle les gens de sa famille. Je les rencontre un à un. Il me dit qu'il a Boza. Il a Boza pour arriver en Europe. Je dis d'accord. Quand il avait un certain âge, genre 2 ou 3 ans avant qu'il ne Boza, il décide de partir. Cet oncle avec qui ne parlait plus à l'instant là, a pris peut-être 1 million ou 2 millions. Il a payé son université, payé tout pour lui. Alors qu'il avait son vrai père à lui, qui n'a rien fait. Quand il m'a raconté ça de son oncle, je lui ai dit que tu veux te marier, tu ne dis pas à un homme qui a pris son argent. Alors qu'il aurait pu aller manger en boîte. Il a pris son argent, il a payé ton école. Pas n'importe quelle école. Je dis que tu sais quoi, ça c'est un homme qui veut que tu réussisses. Si tu te maries, tu ne dis pas à l'homme là, tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. Vous avez les gens dans votre carnet d'adresse que si vous les appelez aujourd'hui, gars, s'il te plaît, j'ai besoin de me... Ouais, trouve-moi 5 millions là. La personne va te dire que bon, je ne peux pas trouver 5 millions, mais je peux quand même te trouver 2 millions. Mais tu as les gens que même s'ils ont... Tu me considères, je te considère, point à la ligne, il n'y a plus rien à ajouter. Observez les gens avec ce qu'ils ont fait dans votre vie. Tu regardes son salaire, tu rencontres un homme. Il prend son argent, il paye ton école. Il dit, ma chérie, tu dois continuer l'école. Continue l'école, oh. Continue l'école. Il t'encourage. Il t'aide à faire tes devoirs. Tu finis tout. Ma chérie, voilà le vrai homme là-bas. Même s'il est laid n'importe comment. Il veut ton progrès. Et ce qui est bien pour toi n'est pas toujours agréable. C'est ce qu'on vous a menti là-bas. Ce qui est bien pour toi n'est pas toujours agréable. Oui, amen. Je ne bénéficie que des miettes. Pierre, c'est toi qui vas encore te bête, non? Tu donnes jusqu'à oublier que toi-même tu as des problèmes. Continue de donner.
Quand tu vas mourir, ils vont t'enterrer, ils vont continuer à vivre. Tu as compris? Et quand le Camerounais est mesquin, le Camerounais est mesquin, tu vas voir quelqu'un qui a peut-être le savoir, il sait comment peut-être arriver dans une ville, prendre le crédit de 170 millions peut-être à la banque. Il te dit peut-être que fait 2 ans, va ouvrir le crédit à telle banque, mets telle somme chaque mois dans la banque. C'est comme ça que lui l'a fait, il est arrivé dans le pays là, ça fait 3 ans, il a déjà un immeuble. Aujourd'hui, je ne parle pas d'homme ou de femme, mais si vous m'écoutez, prenez du temps, vous m'écoutez. Je ne suis pas te dire comment reconnaître le vrai homme, comment reconnaître ceci. Je ne suis pas dans ça. Donc, il connaît la procédure. Parce que peut-être quand il est arrivé, quelqu'un lui a montré. Et quand on lui a montré, il a mis en pratique. Toi, tu arrives, il ne te montre pas. Vous voyez, comme il a un immeuble là, il sait que pour les 10 prochaines années, il va crâner devant vous avec ça. Dans ce monde, c'est la stratégie. La stratégie. Parfois, quelqu'un te prend comme ça, là, il t'amène dans son cercle, il t'amène dans sa réunion, où on bouffe peut-être 30 millions d'années, 1 million 5 le mois peut-être. Il tient ta main, il t'avalise là-bas. Le troisième mois, tu portes 30 millions cash. Tu peux lancer le business avec. Chaque mois, tu prends 1 million 5, tu rembourses les 1 million 5. Jugez les gens qui sont importants dans votre vie par la valeur qu'ils vous apportent. Maintenant, jugez ce que vous voulez faire en fonction de qui vous voulez plaire. Tu pleures que tu veux l'enfant, non? C'est pour plaire à qui? Ok, tu n'as pas l'enfant. Si tu as l'enfant, c'est pour plaire à qui? Peut-être même le gars avec qui tu es là, lui, il n'est pas stressé pour l'enfant. Ma tante m'a dit qu'il faut que je conçoive. Oh, ma mère a dit qu'elle veut aussi l'enfant. Hein? Te voilà. Libérez-vous. La prison, ce n'est pas seulement les barreaux physiques. La prison, ce n'est pas seulement les barreaux physiques. Parfois, on vous a aidé, vous n'avez rien fait avec. Ça énerve la personne. Bonsoir. On t'aide, tu pars, tu ne fous rien avec. Après, tu dis, ah, il laisse aussi. Fais très attention. Bonsoir. Tout ce que je vous demande, c'est d'ouvrir votre esprit. Ce que tu veux faire depuis là, tu veux faire ça pour plaire à qui? Il y en a, vous avez les grands-enfants, vous avez tellement souffert avec les enfants, vos enfants, les premiers, tellement. Parce que quand tu as accouché, on te dit, ouais, tu as accouché. Même quelqu'un qui va rester avec à la maison avec l'enfant, tu ne le trouvais pas. Vous savez ce qui me plaît sur le blanc, hein? Le blanc, lui, il est honnête avec lui-même. Le blanc peut voir que, gars, j'ai trop souffert dans mon enfance. Je ne serais pas capable d'aimer vraiment un enfant. Il dit que je n'accouche pas, moi. Il parle au pédiatre, il dit, mettez-moi le tout dans le blanc. Je n'accouche pas. Le noir va aller accoucher. Faire souffrir l'enfant, porter de là sa mère. Envoyé chez la tante. Fait 10 ans sans voir l'enfant.
Oui, la reine sultane. Tu m'as vu dans ton rêve, je faisais quoi cette fois-ci? Je vais mener ta vie. Parfois, pour toi, ce n'est même pas le temps. Parfois, tu ne veux pas avoir l'enfant à cette période-là. Si ce n'est pas la période, n'aie pas l'enfant. N'accouche pas. Hop. N'accouche pas. N'accouche pas. Tu as encore 3 ans d'université. Tu vas laisser l'enfant à la maison. Il y en a, tu peux chercher comment on adopte l'enfant. Allez vraiment chercher comment. Il y a les orphelins au Cameroun, c'est comme ça. Là. Plein d'orphelinats. Demande qu'on se renseigne comment adopter un enfant. Adopte ton enfant de 6 mois, tu quittes ça. C'est parce que le noir est tellement fermé à certaines idées souvent. Ah, qu'est-ce qu'on va arriver au village? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Que ce n'est même pas notre enfant. Si Dieu ne vous a pas donné les enfants. Il y a les jours où tu peux te battre. Tu es la faille. Tu jeûnes même 365 jours. Seigneur, donne-moi l'enfant. Donne-moi l'enfant. Je te laisserai parce que tu me donnes l'enfant. Il y en a qui ont résolu dans leur cœur que moi je ne veux pas d'enfant. Ou bien tu restes, ton cœur pense ça, mais tu as peur de dire. Tu as peur de dire. Il y a les blancs avant de se marier, même, ils s'entendent que comment on se marie, là on ne va pas faire d'enfant, non. Elle dit oui, il dit oui. D'accord. Ils se marient. Ils savent que 25 ans, 30 ans, 35 ans, on voyage. On n'a pas de pression des enfants. Je me rappelle à une époque de ma vie, avant qu'on ne se marie. Ok, on va aller à l'université d'abord, non, on va finir l'uni avant de faire les enfants. Fiançailles, premier mois après le mariage, la mère commence à dire, quand tu appelles, comment ça va la mère? Ah, je serai heureuse quand je serai grand-mère. Et tu passes de te faire son fils. Allô la mère, oui. Mon fils, moi j'étais attendue jusqu'à... Vous attendez quoi? Ça fait un mois que vous êtes mariés. Un mois. On commence à te mettre la pression. Si je parle, vous ne comprenez pas alors que je suis devant le téléphone. C'est qu'on va arrêter le direct. Vous n'entendez toujours pas. Bonsoir, bonsoir. Et quand tu commences à t'intéresser à l'affaire de mission de vie, affaire de mission de vie, c'est égoïste. Mission de vie fait, tu n'as plus le temps pour être à la maison, dire que tu vas découvrir, tu vas faire ceci. Tu n'as pas le temps pour dire que tu vas... Non, non, non. Tout ce qui t'importe, si tu as ton livre que tu dois écrire, si tu as les gens que tu dois consulter, vous pensez que je passe la journée à faire quoi? Toutes mes journées sont pleines de parler aux gens, consulter, laver, voyager. Par contre, il y a des gens que vous, tout ce qui vous plaît, et très peu d'entre vous, vous êtes sur ma page, tout ce qui vous plaît, c'est faire vos enfants, nourrir vos enfants,
Fais le couscous au jaune, le monsieur rentre, il mange. Il rentre, il mange, tu es content. Après, il fait, vous faites l'amour, vous dormez. Voilà. C'est ça que toi, tu veux dans cette vie. Maintenant, il y a d'autres personnes. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi que tu dois donner aux gens là-bas dehors. Tu veux te libérer de l'opinion des gens. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup les gens qui sont lesbiennes, les gens qui sont... Mais ne vous méprenez pas. Moi, j'aime l'homme jusqu'à... Pardon. Mais quand je vois que tu as quelqu'un qui est lesbienne, quelqu'un qui est un garçon peut-être qui est gay, et je vois, ça demande un courage énorme. Parce que tu vas décevoir les gens. Les gens auraient aimé que tu fasses comme ça. Les gens auraient aimé que tu deviennes comme ça. Ou que tu partes à tel endroit. On voulait prendre ta main pour crâner avec toi. Et tu grandis, tu dis que tu aimes une femme alors que tu es une femme. Ça veut dire que tu n'auras pas d'enfant, première chose. Le père dit que quoi? Gars, je vous donne le chapeau. Je vous donne le chapeau vraiment. Homme comme femme. Parce qu'on vit dans une société qui nous met les barrières. Attends, imaginez un peu dans votre quartier, s'il y a deux filles lesbiennes qui vivent ensemble, comment est-ce qu'on va les traiter? Même quand on marche, moi, de regarder. Il y a toujours un jugement derrière. Et croyez-moi, quelque part, ça offense un peu. Même si la personne s'habitue déjà, il s'en fout. Ça offense un peu. Donc je ne peux pas être heureux, je ne te demande pas de payer mon loyer, je ne te demande, je ne mange pas chez toi. On n'est que voisins, on est dans le même quartier, tu me vois comme ça, je te vois aussi comme ça. On ne part pas à la même réunion, même quand tu fais quatre réunions, je ne fais rien. Mais il faut que tu viennes mettre ta mauvaise humeur sur moi. Il faut que tu viennes me montrer comment je dois devenir. Je ne sais pas si vous voyez un peu ça. Écoutez, moi qui vous parle, moi. Les deux dernières semaines, le Seigneur m'a montré comment moi-même j'étais très, très, très influencée et manipulée. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ah, qu'est-ce que lui va penser? Qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah non, je ne peux pas. C'est l'argent que tu sors pour aller pour travailler. Tu ne dors pas parce que tu es en train de travailler l'argent là. Dès que ça vient dans ta main. Ils vont voir que j'ai acheté une nouvelle chaussure encore. Hé, hey, j'ai acheté quatre nouvelles chaussures en un mois. C'est ton argent, hein? Ils vont dire que je sors avec le jardin aussi. Ah, non. Il faut que non, je ne peux pas sortir avec toi. Tu aimes un homme. Beaucoup d'entre vous, vous aimez quelqu'un, mais vous ne pouvez pas sortir avec la personne. Oh, la manipulation de ça. Oh. On est bamileke, tu veux venir avec le quoi? Pourquoi? Hein? On est, tu veux faire quoi? On veut pas les étrangers chez nous. Vous vivez à Washington, ils vivent à Bafoussam. La mère est au village, tu es à Paris, elle te dit qu'elle veut l'enfant. Est-ce qu'elle connaît comment on souffre dans les métros de Paris? Maman, Henriette, tu ne sais pas qui ils sont, mais ils savent tout de ta vie. L'autre là, est. Hein? Wow. Avant, mes relations étaient très contrôlées. Très. Je sors avec quelqu'un, c'est un problème. Tu ne peux pas sortir avec le genre de personne. Ouais. Est-ce que je sors comme ça, je dors chez vous avec lui? Même si c'est pas à l'hôtel, c'est vous qui payez l'hôtel. Même si c'est fait ça, c'est... Ouais, que... Et même quand les gens arrêtent de parler, dans ta tête maintenant, tu te mets les limites. Quand je ne peux pas être heureuse comme ça. Tu te lèves un matin, tu vois, tu es heureuse.
Il te fait le petit déjeuner, il vient te mettre ça au lit. Tu le regardes comme ça, là, tu dis, ah, est-ce que j'ai le droit? Il t'appelle ma colombe dorée. Il dit, hein? Oui, comme ma colombe dorée. Tu regardes comme ça, là. Parfois, les jaloux ont tellement gâté vos mariages que tu penses que tu n'as plus le droit d'être heureuse. Quand un homme te drague et que ton cœur l'aime un peu comme ça, tu te sens manqué. Yeah, on va encore gâter l'autre là. Ah, la reine Rolande, tu ris quoi ici là? Dis que non, on m'a déjà gâté 5 mariages, papa, pardon, ne me drague pas, quitte pas, pas. Pas, pardon. Est-ce que tu sais comment on a gâté 5 mariages de ma vie là? Hein? Non, pardon, laisse-moi, t'as quand même. Il dit, mais ma colombe dorée, il t'apporte les fleurs, il te donne. Tu le regardes aussi comme ça. Vous arrivez, il ouvre la porte, tu t'assois, tu entres, il tire la chaise, tu t'assois. 6 mois plus tard, il est toujours gentil. Ha! Aïe, tu sais, quand tu commences à mûrir, tu vois, non? Il y a certaines expériences que tu as de la vie. Math, je parle pourquoi? Ce sont les choses que, si on ne parle pas ici, tu vas garder dans ton cœur. Tu ne peux pas parler avec ta mère, ni avec ta soeur. Donc, bien, tu ris si ça passe. Laisse l'amertume là, ris seulement. Alors tu restes comme ça, tu vois un jeune homme qui te plaît, tu dis que hey, si ils sont avec le gars, c'est... qu'est-ce que les gens de ma famille vont dire? J'ai une de mes tantes qu'on a, mince, elle est sortie qu'avec les jeunes jeunes. Hein? Imagine une tante qu'on a au village, elle sort qu'avec, si tu n'as pas 15 ou 20 ans de moins qu'elle, elle m'avait vu chuchoter comme ça, jusqu'à après le gars a disparu, j'ai rien compris. La douleur de ça, hein? Mami, vigilie, si que toi, tu le repoussais beaucoup. Tu le repoussais. Parce que parfois, on a tellement souffert que on ne croit même pas qu'on mérite qu'on soit gentil avec nous. Et on ne croit pas que les hommes gentils existent. Tu vois, un homme est gentil, il est beau, il fait bien l'amour. Pardon, excusez-moi. Hein? Oh my God. Monsieur, ça va? J'ai trop envie de rire ce soir. Tu vois, tout en un. Il a fait all in one. La merveille est au quitte de mon direct. Je t'ai dit que je suis quitte de mon direct. Je suis en train de parler des hommes qui font bien l'amour. Tu en sais quelque chose, non? Elle a merveille. Les hommes beaux là. Beaux, gentils, qui font bien l'amour. Et jeunes. Combien de fois vous avez bloqué vous-même votre... Tu ne sais rien. Combien de fois vous avez bloqué vous-même votre vie? Justement, quand il vient prendre soin de toi, tu trouves ça bizarre. Tu trouves ça bizarre. Il est là, il est simplement gentil. Il est là. La merveille est au... Sors de mon direct. Bonsoir Berlin. Vigiline dit ou même
J'étais dans le dolo aussi. Hein. Ouais, c'était tout lui, gentil, beau, fort. Non, tu étais vraiment amoureuse. Tout en dingue. Et il donnait même l'argent. Jusqu'à dire que bébé, tu ne veux plus. Il dit que quoi? Que bébé, tu ne veux plus. Oh my God. Vous savez, j'ai toujours eu le flair d'attirer les jeunes. Je ne sais pas pourquoi. Celui avec qui je m'étais mariée, il avait 3 ou 4 ans de moins que moi. Et la première fois qu'il m'a reçu à Paris, il m'a logé à côté des galeries Lafayette. En sortant les sacates de crédit, c'est sa carte bleue, sur le chevet du lit. Je me réveille, je regarde la carte, je fais comme ça là. Je regarde la carte. J'ai dansé là, je dis que pour la première fois, un homme me laisse sa carte. Il dit que Marc, tu vas me voir. Et il y avait un fond de teint chez Marc que je voulais depuis là. Je n'avais pas trop dépensé. J'avais peut-être dépensé 150 euros sa carte. J'étais gentil. J'étais très gentil. Mais ce geste-là m'avait touché. Je sais que beaucoup d'hommes dans ce direct ne le feraient pas. Ok? Ne vous dérangez pas. Mais. Souvent, quand il reste là beaucoup d'argent, il m'achète même 10 paires de chaussures. 10. Il reste comme ça là. Il dit, je vais te relooker. Il achète. J'arrive, je reste en 5 semaines, on fait que livrer les chaussures à la maison. Il dit que yes. Ouais. Vous savez, on peut vivre chez les blancs, mais on n'est pas libre. On n'est pas libre dans sa tête d'être avec qui on veut. Tu as 16 ans de plus que ton gars. Insultant. Non, c'est tant pour que tu rencontres. Tu avais dit ça vrai. Oh my God. Vous savez quoi? Je veux Paris. Oh Seigneur. Et vous savez quoi? Vraiment, ça, c'est que les hommes sortent d'ici. Là, ce sont les métals au Congo, ça que vous faites. Il y a quelque chose de très... C'est comme s'ils aiment l'instinct maternel qu'une femme un peu plus âgée apporte. Je me voyais déjà mariée. Hein. Le gars est parti, mais une bonne personne vraiment, mais franchement, j'ai rien compris. Pour la séparation, je suis sûr que tu y étais pour quelque chose, mais tu ne sais pas. Donc, comme je disais, ces hommes-là, ils ont... Tu sais qu'il y a... De base, de prime abord, l'homme aime être... L'homme aime qu'on lui dise ce qu'il va faire. Ok, les hommes là, sortez de mon direct. Sortez de mon direct. Sortez de mon direct, les hommes. L'homme aime quand tu vas lui dire ce qu'il va faire. Pas, tu ne dis pas genre, c'est toi qui commandes, mais tu suggères. Donc, il y a des hommes qui aiment les femmes qui maîtrisent. Genre, il est sûr qu'avec toi, tu. Non, que ma femme connaît tout ce qu'il faut faire. Il y a un truc qui va, il appelle, dit chérie, je fais quoi? Et ça ne le dérange pas, hein. Il n'a pas un problème d'ego, genre, ouais, c'est moi qui dois commander ici à la maison. Non, ça lui plaît. Il dit, ma femme s'occupe de tout. Bibiane. Pardon, les femmes, c'est là, vous savez quoi, taisez-vous. Non, Bibiane, tu as dit une vérité qui est très vraie. Tu comprends, non? Ouais, je veux pas que les hommes soient jaloux. Ils vont dire que les femmes s'y prennent le pied. Ouais, Seigneur, voilà, attendez, je me ressaisis. Autant ce bonsoir. Les femmes mariées sortent du direct, pardon. Les femmes qui sont mariées avec les hommes avec qui vous êtes depuis 25 ans là. Ça ne vous concerne pas. C'est quand vous allez marcher en vous, les gens vont venir critiquer. Elle fait quoi avec le jeune là? Hein? Elle fait quoi avec... Excusez nos vies. Lui-même, ça lui plaît. Il n'est pas adulte. Et parfois, quand tu rencontres ça, tu as des enfants. Hein? Lui n'a pas. Il te dit non, bébé, ne t'inquiète pas. Si on peut avoir d'enfants, si on n'a pas, ça va. En tout cas, hein, moi, il dit toujours le chef et la cheftaine. C'est le président de la France. Voilà.
là, Sultane, tu connais, tu maîtrises la chose. Et ça énerve la mère du gars. Celui qui est un peu comme un facteur à éliminer dans la vie de son fils. Ouais, j'avais une là comme ça. La belle-mère là avait 14 ans de plus que moi. Elle avait 13 ans de plus que moi. Parce qu'elle a accouché l'enfant là tôt. Et moi, je dépassais l'âge de 4 ans. Comment la femme a été souvent jalouse de moi. Je disais que c'est ton fils. C'est mon gars. Tu ne peux jamais piner ton fils. Je suis désolée. Excusez les gros mots que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive même ce soir? Tu ne veux jamais toucher ton fils. Parce que de façon ultime, la femme est très intelligente par rapport à l'homme. Tu n'aimais pas pourquoi, ma chérie? Vigile, lui, c'est vigile. Là, il fallait aimer. Les hommes, je dis que je suis convaincu que si le président de la France n'avait pas sa femme là, il y a certains trucs qu'il allait rater. Ça, c'est ma conviction. Et il y a parfois les dramas, les faux problèmes que les jeunes filles vont te donner. Que la mère qui est mature, elle a fait quand même quelques petits trucs, quelques erreurs. Parfois, elle est un peu plus sage dans la vie. Donc, tu vois, elle dit que viens, on cherche l'argent. J'ai écouté l'histoire de Macron hier. Non, ça fait 2 semaines que j'ai écouté l'histoire de Macron. Il s'est fait fortune en allant. Il était pendant 2 ans, il a travaillé pour une banque. Il devait faire des investissements. C'est pour ça qu'il est devenu millionnaire. Il était millionnaire avant de devenir président. Quand tu avais quelqu'un qui voit tes gestions comme autoritaire, c'est la merde. Un peu d'école parfois, bien. Tu sais. Moi, pour ma part, j'ai résolu que je vais rester dans qui je suis. Bibiane, c'est vrai, il y a certaines femmes qui font conserver encore coucher avec leur fils, jusqu'à tu Wanda. Parfois, c'est même spirituel, c'est comme si les femmes-là sont même mariées spirituellement à leur fils. Je dis, mais c'est quoi ça? Et tu vois, c'est je sais pas ce que j'allais dire par rapport aux barrières. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des personnes qui n'ont pas de barrières mentales, psychologiques. Mais moi, j'ai compris que pour ma part, je vais être ancrée dans qui je suis. Je fais ce que je fais. Maintenant, toi, pour ta part, tu vas voir, il y a des gens dans leur vie que ils aiment être dans le background. C'est-à-dire, il est derrière. Tu là, tu fais ton truc, tu vas aller faire le shopping, il s'assoit dehors, il te regarde. Tu finis le shopping, tu sors, tu dis que j'ai fini, bébé. Il dit, ok, on part. Ça le dérange pas. En fait, j'ai beaucoup aimé, j'ai vécu chez les Anglais, j'ai fait 9 ans en Angleterre et j'observais beaucoup la façon dont les Anglais vivent. Les Anglais sont très libéraux. Tu vas aller à l'extérieur du shopping mall comme ça, tu vas voir, il y a toujours un banc qui met dehors dans le couloir, c'est le banc des maris. Tu vas voir un homme rabais assis. Dehors, Victoria's Secret par exemple. Une heure plus tard, tu vois, une femme sort, il se lève, ils partent ensemble. Il attendait qu'elle finisse ce qu'elle a fait. Donc, et c'est quand tu fais ce que tu aimes, l'autre fait ce qu'il aime. Vous vous mettez maintenant ensemble et ça donne quelque chose de bien. Et certains de ces hommes n'ont pas encore de direction pour la vie. Peut-être qu'il te rencontre, tu n'as pas encore fini ses études ou bien il vient à peine de commencer à travailler. Toi, peut-être ça fait 5 ans que tu travailles. Tu peux le guider peut-être. Au lieu de passer ici, perdre le temps, va plutôt comme ça. Pap, pap, pap. Il prend ça et puis ça l'aide. Je pense que ceux qui sont assez humbles profitent plus. Et un homme commence à devenir orgueilleux quand son entourage commence à lui parler. Pareil que la femme. Hein. La femme commence à devenir orgueilleuse quand les amis, les copines parfois, quand les copines commencent. Voilà, c'est l'éducation aussi. Tu as bien dit. C'est qu'il y en a parmi vous, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un gars qui est jeune. Moi, j'avais une tante, c'est depuis même, ça fait même 15 ans. 20 ans même. Elle a toujours eu les hommes qui sont jeunes. Elle s'en fout. Parce qu'elle a toujours eu l'argent. Donc, quand tu arrives, elle te met à l'aise d'abord. Donc, c'est facile pour un jeune homme de venir sortir avec elle. Quand on inverse les rôles,
les jeunes filles partent sortir avec les pères qui sont un peu plus âgés. Pourquoi? Parce que la fille va d'abord une certaine sécurité qu'elle recherche. Donc l'homme cherche la sécurité. Pas forcément financière, parce que parfois on veut dans tout là son argent. Mais le fait que quand il est avec toi, parce que regarde un peu le mindset. Regarde le mindset des pampampés. Les pampampés, ce sont les moins de 25 ans là. Une matière ne doit jamais sécher à compétir avec une pampampée. Vous comprenez? Les pampampés restent pampampés. Elle peut seulement aller sur Snap, elle met les filtres. Tu trouves peut-être ton gars, il est sur le Snapchat d'une fille. Elle va rester pampampée. Elle va rester pampampée. La pampampée de 25 ans, là, n'a pas la maison. Gars, ma chérie, tu as la maison, tu as payé ta maison. Dans 2 ans, tu finis ton crédit. Tu crois que la tête du gars, là, ne réfléchit pas aussi. Hein? Tu as déjà 2 voitures dans le parking. Gars, lui-même, il va comprendre. Il va jouer avec la pampampée sur le téléphone. Après, il va l'accrocher, il va se tourner, il va dire que non, gars. C'est quoi? Il faut que je sois wise. Les jeunes là aussi font trop de chantage. Quel genre de chantage, le coding? Je préfère moi les gens âgés, moins de mots de tête. Je les attire pour là, tant l'argent n'est pas encore arrivé. Les jeunes là et moi, c'est dur vraiment, je ne vois pas. Je ne me vois pas nu devant mon petit frère, c'est bloqué dans ta tête. Vigile, ah bon? Je suis allé à la plage l'autre jour, il y avait les jeunes là-bas. Entre 15 et 21 ans maxi. Alors ils jouent, après le ballon vient de mon côté, ils arrivent. Après on a enlevé 2, parce que sur les petits goals là, on fait qu'on remplace. Et voilà 3 petits qui arrivent à côté de moi, ils commencent à parler, il y avait un métis parmi eux, très beau comme ça. J'ai regardé le petit là, j'ai failli lui dire que petit, tu es très beau. Hein. Mais après il dit que bon, il ne faut pas qu'on croit qu'il avait détourné l'enfant de quelqu'un. Donc, ils étaient avec leur entraîneur, je parle le monsieur qui couronne tout. L'homme devait dormir au 50 ans. Voilà alors le pater, on lance un débat. Je crois qu'il y a un qui courait, il était un peu fatigué. Le père a dit que oh, il faut arrêter de faire l'amour, tu fais trop l'amour. Le père dit que oui, c'est la vieille mère là, que la vieille mère là te fatigue la nuit. J'ouvre la bouche, je lui dis que ce sont les vieilles mères qui sont très bien. Le gars commence à rire. Genre, c'est vrai, c'est comme si le gars avait vraiment une. C'est comme s'il sortait avec une mère qui est plus âgée que lui. Il rit. Tout ce qu'on dit, il faisait que rire. Après, ses potes disent, comment tu peux sortir avec une vieille mère? Comment tu peux... Il dit que non, la vieille mère ne dérange pas. Je t'assure. Seigneur, j'ai commencé à rire. J'ai dit que les enfants, c'est là. Bon, et puis quand tu regardes aussi beaucoup d'hommes, leur première fois, ça s'est passé toujours avec les femmes. Hein. Les femmes un peu plus âgées. Beaucoup d'hommes. On te dit qu'elle avait plutôt... Parfois, c'était même l'amie de sa grande sœur. Parfois, c'était la copine de sa tante. Donc, une femme vraiment plus âgée. Les vieux, ah oui? Non, Sultan, tu as les bons goûts. Sultan. Si je veux commencer, je ne veux pas critiquer les vieux parce que j'ai été avec quelqu'un qui a 22 ans de plus que moi. Et j'ai été avec quelqu'un qui a 9 ans de moins que moi. Donc le maximum que j'ai fait en arrière, c'était 9 ans. Bibiane dit que moi, j'ai fermé la bouche de mon ex. J'avais son macabo. Un jour, elle se ramène à la maison. Moi, je voulais. Et ma mère m'a dit que tu dors au salon. Ouais, Seigneur, Bibiane, je crois que toi, là, tu dois être bêtis. Dis, gars, je vais chasser la messe hier. De toute façon, j'ai son fils. Même pour rien, j'ai crié jusqu'à taper la porte. Bibiane, toi, tu es folle. Si que le matin la mère avait ton macabo, elle te regarde comme ça là. Elle comprend pas ce que son fils cherche, mais non, laisse. Le truc avec les. Quand tu sors, quand tu as une relation avec quelqu'un et tu es plus jeune, avec le vieux, il était très dominant, possessif. Et il avait tendance à utiliser son argent. Genre. C'était comme un bébé gâté. Si je me fâche, il me dit, tu veux quoi? Hein, Caroline, c'est toi que j'ai vu au marché ici à Libreville. Hein? J'étais au marché ici, là, j'entends quelqu'un dire, marraine! Je me tourne.
Je la vois. Voilà, les vieux veulent diriger. Voilà, exact. C'était comme ça que l'homme l'a été. Il voulait tout diriger. Extrêmement jaloux. Ouais, je sais que tu vas me tromper avec quelqu'un qui est plus jeune. Je sais que tu vas aller coucher avec quelqu'un qui est jeune. C'est que, ouais, quel vieux, c'est comment et toi? C'était qui? Tu étais avec qui? Tu faisais quoi? C'était un peu lourd. Et pour ce qu'il te donne, parce qu'avec ce vieux-là, il me disait, voilà, tout est payé. Il te paye tout. Il paye même tes employés. Il dit que je paye ton bureau, je paye ta marchandise, je mets dans le salon, je paye tes employés. Donc je ne veux même pas que tu aies à bouger le petit doigt, ne sors même pas, ne va pas dehors pour que quelqu'un te voie. En fait, c'était bizarre. Il n'y avait pas l'émotion. Alors que, je ne sais pas pourquoi j'ai les faux dialogues ce soir. Le jeune, oh là là, il y a encore l'adrénaline dans son corps. Ouais, Seigneur. Me voici en train de parler des choses. Le jeune a encore l'adrénaline dans son corps. Oui. Vous riez. Il met les moyens. Est-ce que c'est ça qui empêche alors que tu le trompes? Si tu le trompes, tu vas le tromper. Est-ce que tromper, quand une femme veut tromper un homme, est-ce qu'elle a un problème? La femme, plus intelligente qu'une femme, tu meurs. Bonsoir la reine Guizou. La merveille, tu es encore ici là. Tu es encore ici. Tu es chassé combien de fois? Ils savent aimer, oui, oui, oui. Le jeune est très romantique. Il est encore dans les petits nuages, oh, je vais t'offrir les fleurs, tu es mon cœur, tu es mon bébé. Sans toi, je ne. Il va te répéter même 50 fois par jour. Je t'aime. Je t'aime. Le vieux va t'envoyer l'argent. Vous vous fâchez, le vieux t'envoie l'argent. Aïe. Le jeune va aller chercher la fleur, il va venir se mettre. Il va venir se mettre devant ta porte, il va chanter. Ouais, Seigneur. J'ai vu les choses ici dehors. Je m'appelle, je suis sorti une fois avec un blanc là. Il était un peu plus jeune que moi. Il devait avoir 3 ans de moins que moi. Le gars était tellement amoureux de moi. Yay! Tellement amoureux de moi. Et parfois, il prenait 70% de son salaire, il venait me donner. Je lui ai dit que je veux le téléphone. Je crois qu'il avait le dernier iPhone de l'époque là. On lui payait 1000 pounds dans son boulot. Le iPhone là c'était 800 pounds. Maman il peut acheter le iPhone, il vient me donner. Il faisait que je dis que je will die for you. Ça me faisait bizarre. I will die for you. Il dit qu'il ne faut pas que tu me tues, je te tue. Tu dis que tu veux die pour moi. Oh yes, Seigneur. I will die for you. J'ai dit aux femmes mariées de sortir des trucs là. J'ai dit aux femmes mariées de sortir. Vous êtes encore ici là. La reine Rolande, tu es partie, j'espère. Ah, tu es mariée, pardon. Je ne sais pas que ton mari. Vos maris vont dire que je viens vous faire les directs où je parle des trucs comme ça là. Vous allez avoir des problèmes ce soir. Le podine, c'est pour ça que tu dois avoir ton argent, non? Tu vas sortir avec un jeune, tu n'as pas l'argent. Hein, le podine? Hey, comment ça ma chérie? Je le chasse, il revient à chaque fois avec la bouche pleine de je t'aime. C'est un pardon, ne lisez plus les commentaires ici là, les femmes si vous me tuez. Oh Seigneur, vous êtes des cas hein. Si elle lance pas les faux sujets comme ça là, vous voyez vraiment vos bouches. Non, mais les je t'aime là sont sucrés. Parfois, il dit que ça là, tu fais comme si tu n'as pas entendu. Il dit, tu fais comme si il dit que je t'aime, chérie. Quand il parle, tu mets bien le volume. Tu mets bien le volume sur le téléphone. Tu écoutes. Tu écoutes en rien. Tu coupes d'abord le volume. Mais tu mets le mute là, voilà. Tu ris. Aïe, ah, yeah, Seigneur.
Le pot dit, qui t'a donné le jeûne? Qui t'a donné le jeûne, Opa? Le pot dit, qui t'a donné le jeûne, garçon? Comment tu dis que tu ne veux pas le jeûne? Et que c'est tout le monde qui a le jeûne, garçon? Ok, les vieux, monsieur, tu m'en parlais. Les vieux sont passés par la romance pour devenir possessifs. Après, quand ils savent qu'à un certain âge, c'est leur argent qui compte. C'est pour ça que tu cherches l'argent, hein? Non, l'argent rend beau. Du mot. L'argent, je sais que tu sais. Je sais que tu sais. L'argent rend beau. C'est parce que tu n'as pas bien conditionné ton jeune, Léopoldine. Il te suit trop comment? Tu le laisses là-bas, tu dis que ne bouge pas, j'arrive. Monsieur Dumont, l'argent Rambo, tu as bien parlé. Cherche-toi ton argent. Comme vous aimez la chair fraîche, là, il y a aussi les femmes qui aiment la chair fraîche. La merveille, tu te reconnais. Tu dis que tu es laid. Tu t'es indexé. Mais quand tu es rencontré, tu étais beau. Hein? Tu étais beau. Ouais. Tu étais beau. C'est après là que. Quand il vit que tu étais marié, j'ai dit bon. Léopoldine, tes enfants font quoi devant mon direct? Léopoldine, enlevez vos enfants devant mon direct, pardon. Aïe, Seigneur. Aujourd'hui, c'est vraiment le diapap du non-sens. Mais ça fait toujours partie de vos vies. J'ai une lano, c'est une de mes filles. Elle a son Watt. Je crois que son Watt a 8 ans de monde qu'elle est. Ils ont marié depuis je ne sais pas combien d'années. Elle n'a pas eu de soucis. D'accord, le podin, tu es au boulot, hein, d'accord. D'accord. Vigiline Benley. Les jeunes là, j'en ai goûté et ça a brûlé. Ah. On va d'abord que t'aimer. Hein. D'abord. Ton corps va pomper que le sang est. Écoute ma chérie, on ne met pas le cœur n'importe comment. Et tu dois être habitué à ce que tu dois te dire que ton cœur, tu peux commander à ton cœur, que le cœur guérit. Le cœur fait un pian, ça guérit. Tu comprends ma chérie? Le cœur fait hi, tu fais ha, tu dis au cœur que arrange-toi ici. Que passe ici, tu t'arranges là-bas. Le cœur, ce n'est qu'un organe, monsieur. Ce n'est qu'un organe. Le cœur n'est qu'un organe. Le cœur ne te contrôle pas. Aigle, dis que ça fait du bien, hein. Aïe. Et vraiment, à la base aussi, je pense que beaucoup d'entre vous, vous ne vous permettez pas d'être heureuse. Quand tu vas être heureuse comme ça, après tu dis encore que, hey, est-ce que j'ai le droit? Ah, qu'est-ce que les gens vont dire? On va dire que je suis heureuse. Hey, que je suis devenue heureuse et nous oublier. Hey, parle pas. Dumont. Takana, tu dis que je suis à Libreville pour combien de temps? Tu es venu me voir, tu m'as déjà appelé. Je ne me déplace plus en fonction de vos commentaires ou de vos requêtes. Vous avez compris? Cherchez-moi. Là où je suis, je suis. Là où je suis, je serai.
Je suis en train, on appelle ça daydreaming. Je suis en train de rêver. Je suis comme Alice au pays des merveilles. La merveille, tu ne peux pas venir chez moi. Toi-même, tu sais. D'accord, le roi du mot, j'ai compris. Tu viens de tomber sur le direct. Seigneur, je partais moi me laver. Je tombe sur le direct. Les commentaires sont bons. Virginie, va te laver. Va te laver, ya. Quand vous y pensez, qu'est-ce qui vous empêche d'être avec la personne avec qui vous voulez être? Parfois tu as dit, oh, tu ne comprends pas, c'est compliqué. Ma mère ne va pas accepter. Mon père ne va pas accepter. C'est comme ça que les gens gardent leur vie. Après, ils se mettent ensemble à 45 ans, 60 ans. C'est à 70 ans qu'ils se remettent ensemble, ils se marient finalement. Parce qu'ils ont compris que tous les gens que j'ai laissés qui m'influencent, ils sont morts. Qu'est-ce qui vous empêche? Il y a certaines femmes qui sont tellement de caractère, leur caractère est tellement fort que si tu avais un homme qui a de l'autorité sur toi, vous aurez toujours des problèmes à la maison. Donc tu as besoin de quelqu'un, quand tu te fâches, tu bavardes, il se tait, c'est menté là. Dès que tu finis, tu dis ok chérie, tu as fini. Tu dis oui chérie, j'ai fini. Alors qu'elle s'est assise, ah, non je ne veux pas, laisse-moi tranquille. Si tu prends le jardin, quand tu fais un il fait un là. Bonsoir la reine Esther. C'est sûr que je me rends compte que mes followers ont changé. J'avais certains followers en novembre, décembre, là, ils sont partis. Bienvenue aux nouveaux followers. Je sais que j'ai beaucoup de nouvelles personnes qui me suivent. Non, Sultan, ça ne t'énerve pas. C'est la meilleure partie de la relation, là. C'est ça qui a le goût. C'est l'autre, là, qui a le goût. Quand tu es une femme à un fort caractère, tu dois... Ta relation, tu dois la choisir en fonction de ça. Et surtout, une femme à fort caractère, tu ne peux pas sortir avec un homme qui est orgueilleux. Il va toujours vouloir prouver que c'est lui l'homme ou c'est lui, tu vois. Ça ne va pas vous aider après. Et généralement, la femme avec ce genre de caractère, question argent, elle apporte beaucoup. Ou bien là, déjà, elle a des idées qui, ça coule. Elle lance un business parce que c'est une force. Le caractère, que donc le fait que tu sois imposante, impulsive, je ne sais pas comment on peut dire, ça perce la voie pour donner l'argent. En réalité, tu as trop de pression, la peur d'oser et d'être déçu par la personne. Tu sais quoi, Henriette, c'est quand tu as peur d'être déçu qu'on va encore bien te décevoir. Moi, hein, je me lance. Je vois que je me lance seulement. Avant de réfléchir que je suis à moi, je suis envolé. Ma chérie, quand ils voient une femme qui dit qu'elle veut qu'un homme revienne là, dont les hommes sont finis sur toute la terre ici. Est-ce que tu connais le genre de gars mignon que tu vas encore rencontrer? J'aime trop la chanson de Beyoncé qui dit to the left, everything you own in the back, to the left, in the closet, that's my stuff, yes, if I bought it, please don't touch. Oh, elle dit,
À la minute où tu es parti, quelqu'un d'autre va venir te remplacer. Elle dit, I can have another you in a minute. Je peux avoir un autre comme toi dans la minute. C'est parce que vous croyez que le gars sur qui vous êtes tombé là, c'était la chance. J'étais chanceuse jusqu'à ça. Ma chérie, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas quand tu tapes tes styles là, tes talons là. Hein? Vous n'avez pas les piches. Je ne vous parle pas des piches là non. Tu fermes la portière avec les talons. Lunettes de soleil. Et qui est, vous parlez de quoi? Tu regardes, tu vois les billets de 10 000 sur son visage. Oh my God. Vous devez avoir confiance. Ayez confiance. Est-ce que tu es laide? Et il y en a parmi vous, c'est comme si vous vous métamorphosez même. Beaucoup d'entre vous, vous êtes un peu comme des sirènes. Si ce n'est, il y en a même des sirènes qui m'écoutent là. Et vous avez une beauté là. Tu peux te lever un bon matin comme ça, là, tu décides. Hey, la reine Marie, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu es mariée, sors de mon direct. Pardon, je ne veux pas que ton mari passe et voit ma vidéo. Il dit que yé, je veux plus que tu suives la femme là. J'avais entendu son direct un jour. Tous les maris qui sont en train d'écouter ceci, je m'excuse vraiment. Vos femmes, je leur ai dit de quitter ici depuis. Donc ne m'accusez pas, pardon. Voilà. J'ai déjà fait l'avertissement. J'ai mis le disclaimer. Il y en a parmi vous. Hein? Vous avez les périodes que tu te lèves comme ça, la mof. On met une fille de 20 ans. On va te choisir. Tu as tapé tes styles. Tu as mis ton make-up. Tu sors les longues perruques qui touchent tes fesses là. Tu dis quoi? Tu mets ça comme bien là. Il y a la chaussure pour conduire, non? Il y a la chaussure pour descendre de la voiture. Quand tu gardes, tu mets la chaussure pour descendre avec les talons. Oui. Tu envoies un pied comme ça là. Tu envoies encore l'autre. Tu portes ton sac. Tu fermes avec un pied comme ça là. Bam! Oui. Tu ne gardes pas sur le gravier, ma chérie. Tu gardes sur le goudron qui est solide là. De là où tu as des risques, il y a la porte, c'est droit. Ouais, Seigneur. Il dit que vous ne connaissez pas. Vous croyez que les jeunes, eux-mêmes, ça les laisse. Quel jeune ne peut pas, n'est pas content que. Il dit que voilà la voiture de manga. Il peut faire sa vie petite fille de 22 ans. Hein? Non, la merveille, je porte plus les longues perruques. Je porte plus les longues perruques. Quand il faisait la moindre tirée, mes perruques, ça sautait. Non, je blague. Ça, c'était totalement une blague. Je me sens du mal à blaguer ce soir. Aïe. Ah, yeah. Il n'aime pas rester comme ça. Il dit que voilà la voiture de manga. Il est bloqué quelque part. Il dit chier. Dès qu'il fait chier, tu vis là dans son compte. Vous parlez de quoi? Et Sugar Mommy, mof. Tu n'es même pas si vieille que ça. C'est juste que tu es plus âgé que lui. Il y a un petit écart d'âge là. Vigile, ne pas te laver, tu es là, tu es ris toujours, ris. Je sais qu'il y a mes copines qui me regardent là, je sais que vous allez trouver mon coche après. La reine Marie Blanche, j'étais malade, j'étais sur le direct si fatiguée. J'espère que la reine Roland est partie, comme ça vous allez me laisser tranquille. Et toutes mes copines sont mariées. Et cas d'âge, c'est rien, c'est seulement que sur l'acte de naissance, tu vois. Et parfois, tu le rencontres même, il est plus jeune que toi, il a encore coupé l'âge. Donc, quand on regarde vos actes de naissance, là, tu le dépasses même de 15 ans sur ça. Blanche Nadège, c'est quoi ton problème? Tu dis qu'ils avalent ce que tu dis, c'est bien, non? Tu dis que ça ne l'aide pas. Parfois, vous compliquez les choses.
Tu viens te souvenir de ta vie de jeune fille, hein? Ouais, Seigneur, les femmes, c'est la vie des jeunes filles. Quand monsieur n'avait pas déjà conclu le deal. Non, ça, le goût. Plus je prends de l'âge, j'aime, donc, je ne donnerais rien pour avoir 20 quelque chose d'années. J'aime l'âge ici que j'ai, ça me plaît. Liberté, mon frère. Liberté financière. Ah. L'époque où tu te restais comme ça, là, tu calculais un gars seulement pour ce qu'il allait te donner. Que telle personne va payer ma brésilienne, l'autre va payer mon sac, l'autre va payer mon loyer, l'autre va payer la deuxième partie de mon loyer. Maman. Non. Maintenant, tu payes même 6 mois de loyer en une fois. Tu payes 6 mois de loyer, tu reloues la personne en une journée. Tu parles de quoi? Paix l'Afrique de rien. Vigile, ne pas te laver, reste toujours là-bas. Il y a certaines choses que tu connais, hein, et le jeune ne connaît pas. Tu le prends, tu l'introduis à de nouvelles choses. Beyoncé a chanté une chanson, elle dit, Mama, let me upgrade you, let me upgrade you, introduce you to some new things. Laisse-moi t'introduire à de nouvelles choses. Et je suis sûre que parmi vous, il y a certains de vos petits à côté de vous qui vous calculent depuis. Mais toi, tu es toujours là. Hey, tu es comme mon petit frère. Ça l'énerve quand tu dis ça. Mesdames, la merveille et tout, je te connais. Je te connais. Tu fais partie de ces gens-là. Heureusement que toi et moi n'avons jamais été frères. Arrêtez d'appeler les gars petits. Il peut tenter sa chance un jour avec toi. Il a vu 3 gars défiler devant toi. Il te traite mal, il part. Il te traite mal, il part. Il veut que tu lui donnes une chance. Caroline Wamba, tu as honte pourquoi? Arrêtez de leur dire que tu es comme mon fils. Mon fils, fils de quoi? Afrique, pas de soucis. Si un jour tu viens, je suis là, je te vois. Dis mon fils, aïe. Tu vois souvent une tata là comme ça, là, 40 ans, toi tu as 35 ans là. Tu l'as trouvée à Paris, non? Elle dit, ouais, voilà mon petit là. Alors que tu la guettes comme ça, mon frère, la matée là, elle a le matos. L'autre m'a dit, grande soeur, faut laisser ça. Hein? Moi, je peux tenter ma chance. Aïe. Maman, est-ce comme ça là? Tu peux pas me saigner. Moi-même, je ne me saigne pas. Je vous dis ça souvent, frère Kéma. Tu as compris, Junie? Que me piam, que j'avais même pas encore honte. Les gens qui te déclament. Mon téléphone. Oui, non. La personne t'a dit, il a eu le courage au moins. Je donne les secrets, je donne les secrets.
Vous là, vous êtes amoureux de votre tata. Oui. Il y a certains de vos tatas là, quelqu'un regarde vos femmes comme ça, là, vos femmes les énervent. Parce que même elle là, elle t'aime, elle te regarde comme ça là, elle dit que yay, si l'enfant si yay. Mais elle voit que tu as une jeune fille avec toi. Ils ont les faux trucs dont on ne parle jamais. C'est faux, c'est subtil en fait. C'est tellement faux et bête. Mais. Ah, mais veux-tu marier? Tu sais ça, non? Ta femme dort déjà. Et au tia. Mais justement, c'est la vérité. Et parfois, hein, quand ton petit est amoureux de toi, ça va se sentir parce que sa femme sera toujours jalouse de toi. Sa femme ne va pas t'aimer. Et tu as divorcé. La mère ne me dit pas. Tu aimais trop la femme là. Je ne crois pas que tu vas un jour divorcer d'elle. Tu aimais trop la femme là. J'avais tout fait. Tu voulais rester toi avec elle. Hein? J'avais tout fait. On peut croire que tu es mon ex. Lopodine, tu nous as déjà dit que tu n'aimes pas les petits garçons. Ouais, que ouais. Lopodine, oui. Il n'y a pas de souci. Bonsoir la reine Chatuée. Si tu as fait 2 ans célibataire, c'est 3 ans. La merveille, je ne te crois pas. Les gars comme ça sont très dangereux. Très. Un homme te dit que depuis 3 ans il est célibataire. Non. Quand il avait fait ma plateforme de trucs là, pour connecter les amoureux là, je vais te mettre là-bas. Tu seras l'égérie de ma marque. Oui. Ah, il était devant toi, tu avais 6 ans. Hein? Ouais, Seigneur. Attends un peu, te prends au lit, tu vas confirmer si c'est ton petit frère. Depuis plusieurs années qu'il te guette. Mais il n'avait pas le courage de t'aborder. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous. Vous avez gâché le ndolo des jeunes gars là. Hein? La merveille, tu n'as plus la pression. Nous retournons aux sources. Ah, voilà, vous voulez vous connecter. L'autre dit qu'elle est célibataire. L'autre dit qu'il est célibataire. Caroline, il va couper tes dernières veines comment? Caroline, comment tu veux te gâcher un plaisir? C'est quoi avec toi, Caroline? Les relations. Les relations, c'est compliqué. Hein? C'est délicat. Pas compliqué, mais c'est délicat. Quand une relation vient pour te contrôler, que ce soit la femme qui veut te contrôler ou c'est l'homme qui veut te contrôler, c'est là que ça commence à devenir délicat.
Pardon, exprime-toi là, mais viens dire que tu t'exprimes. Elle dit qu'il va couper ses veines comment? Ils ont écrit qu'ils vont couper ses veines. Bon, j'ai assez ri, il faut que je reparte travailler. Il n'y a que 20 heures. Voilà, mais c'est possible. Assure-toi seulement que ton corps là. Tu écoutes ce que ton cœur te dit. Ou vous avez suivi ce que votre cœur vous disait. Ou quand tu es resté comme ça, tu as dit, j'ai envie de me mettre avec telle personne. Tu le fais vraiment. Du mot, tu tombes toujours sur les filles qui t'imposent leur loi. Lisette, tu envoies Caro, qu'elle ne va pas te faire avec le gars là. Rappelle-toi que je me suis plaint auprès de toi depuis les USA. Léopoldine, je ne me rappelle pas. Tu sais, quelqu'un, il voit vos noms sur Facebook. Caro, pardon, pas Yamo. Apparemment, Lisette n'a pas fait depuis. Il faut qu'elle dise que tu la laisses tranquille. Que tu payes Yamo, tu la laisses. Il y a des gens ici qui n'ont pas fait depuis, donc. J'ai enlevé les femmes mariées et les hommes mariés d'ici parce que ce soir, vous allez vous coucher à côté de vos gars, de vos mariés et de vos femmes. Donc, il faut laisser les gens qui n'ont pas encore marié ici parler de leur truc en paix. Bonsoir, Grâce. Bon, il y a le bodin qui fait aux USA, elle cherche le gars. Bon, je vous laisse. Allez commencer à vous apprêter. B arrive tout à l'heure. B arrive. Tu dis que je passe. Tu vis aux USA. Il vit en Europe. Christian vit en Europe. Il dit que ce n'est pas bon pour lui. Lisette est déjà mariée. Il n'y a pas sa place ici. Du mot. Je veux d'abord faire un groupe. On aura souvent les soirées, on va juste parler comme ça là. Avant le gars, mon corps doit être bien propre. Comment ça le petit? La raison pour laquelle je dis que je peux pas faire. Je peux faire un an. Un an aussi, ça 8 mois sans faire l'amour. Mais c'est du gâchis, ma chérie. Ça fait du bien de faire l'amour. Pas en excès, mais ça fait du bien. Les gens sont en train de se chercher ici. Voilà Luc qui dit à Léopoldine. Pardon, cherchez-vous entre vous là-bas. Si ça donne, vous nous envoyez l'invitation. Ça ne donne pas. Vous savez que, ok, on avait fait. Ouais, Seigneur. Et ne faites pas des trucs que vous dites que le premier jour, vous dites que au premier mois que tu vas m'épouser. Ce n'est pas votre truc là. Hein. Premier mois que tu vas m'épouser. Dès que tu commences à parler avec le gars, tu dis, est-ce que tu vas te marier quand? Ne gâtez pas les choses, pardon. Tu es en Europe, viens, on s'arrange. Pardon, voilà Virginie qui dit qu'elle est en Europe. Ah, Seigneur. Pardon, donnez-moi. Ok, le Bodin, tu sais quoi? En inbox, écris-moi tout à l'heure, sérieux, sérieux. Écris-moi tout à l'heure. Même la merveille, là, j'ai déjà son inbox. D'ailleurs, monsieur Eto, la merveille, là, j'ai perdu ton numéro. J'ai une petite fille à qui j'ai offert un de mes téléphones. Là. Elle a bousillé tous mes numéros. Donc, je n'ai plus ton numéro. C'est pour ça que tu vois mes statuts depuis. Mmh.
Le Leopoldine a 52 ans. Vigiline, on demande là où tu es en Europe. J'ai demandé aux femmes mariées de sortir du direct, si pardon. Jumeau. Voilà, mes vœux écrits. Tous les hommes qui vont m'écrire là, j'allais. Hey, j'ai une bonne go ici là, elle a 30 ans. Oh my god, comment je vais me zapper l'autre là? Vous savez quoi? Les hommes qui sont sérieux là en Europe, je vais étudier votre profil. J'ai une ou deux go qui sont très 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 cool. Elle a 30 ans. Si tu es cool, tu sais où tu peux parler parce qu'elle est grande de taille. Voilà. Le podine est au Maryland. Vigiline. Ok. Écrivez-moi en inbox. Ok, Vigiline au Portugal. Parce que quand vous dites le pays, on peut voir la faisabilité des choses. Le podine travaille à Washington. Lisette, ok, mais. Hé, la mévé, je vois ton numéro qui arrive à inbox. Tu es rapide. Quand c'est des choses comme ça, tu vas vite, vite envoyer ton numéro. Christian dit qu'il est en Belgique. Pacole dit qu'il a 46 ans. Il ou elle? Pacole, toi tu es une fille ou un. C'est qui? Ah! Mais la merveille. Merveille, sinon il faut dire que ça peut donner entre la merveille et merveille. Tu en penses quoi, monsieur? Je connais personnellement monsieur la merveille. Donc, merveille, sinon il faut. Envoie-moi ta photo et ton profil inbox. Monsieur la merveille, si tu es sérieux, j'ai deux ou trois femmes que je vais te proposer. Je vais d'abord vous checker. Si vous êtes décepticon, je ne vous connecte à personne. Je sais, monsieur la merveille, je ne vais pas donner ton numéro comme ça aux gens quand même. Le taille de Omar Bongo, hein. Tu vois, Virginie dit qu'elle a 30 ans. Hey, le goût. Virginie, écris-moi inbox. Je crois que tu auras un bon profil aussi. 34 ans, tu vis à Douala, Makepe. Michel, voilà, je veux aussi ton profil. Tu ne peux pas avoir un profil d'au moins quelques femmes. Et quand une femme vient ici, ne te dis pas que wow, c'est parce que tu es âgée. Écoute, tu peux arriver ici là que tu es le goût de quelqu'un. Tu es son goût une fois. Il dit que pardon, c'est quelqu'un que je veux. Il peut te voir que tu as tout. C'est ça qui l'intéresse. Et tu, vous savez quoi? Les femmes qu'on utilise là, hein, ou bien les hommes qu'on utilise. Vous savez quoi, la vie, c'est. Voilà comment moi je vois les choses. Hein. J'aime quand on est cash dans nos choses. La merveille connaît que moi je suis très cash. La merveille, on se connaît pour vous dire, pour moi, 3 ans qu'on se connaît. Je me pense que ce qui fait souvent qu'on relation se gâte, c'est qu'au début, voilà, Suzanne, 36 ans, tous ceux qui sont en train de me donner leurs âges, je vous en prie, écrivez-moi une box après. Pas pour le lavage ou quoi que ce soit. Écrivez-moi, vous me donnez votre photo. Je vais me donner ça à ma secrétaire. Je crois qu'elle va donner. Elle va commencer à constituer déjà ça. Si elle peut y connecter deux personnes avec deux personnes, déjà ça à la base, c'est bon. Le truc, c'est qu'au départ des relations, vous n'êtes pas clair l'un avec l'autre. Monsieur Mévé, monsieur la Mévé, on ne fait que te faire les jeux de phare. Je vais les sourire jusqu'à avoir à venir. Oh yeah. Femme de deux enfants que le Cameroun en parle, tu as 30 ans, tu es dans la trentaine. Ok. Merveille, monsieur la merveille, merveille a même 5, elle a 25 ans. Hein. Et ce qui m'énerve, c'est que vous allez parler comme ça, après vous n'allez pas venir inbox. C'est ça le truc. Parce que là, je ne peux pas écrire tous vos noms. Je ne peux pas. Il y a trop de personnes. La merveille, c'est un de mes amis. Donc lui, là, je peux dire qu'à moitié, je peux lui donner ma main. Il est très beau. Le gars, il est beau. Ok. Il est aussi très gentil et calme. On s'est envoyé les femmes, mais on va gâter ton inbox. En tout cas, quoi, c'est le même lui, sa photo de profil. Donc, tu es agréé, monsieur. On va te voir ce soir. Je vais faire celui qui est intéressé par ça, il me fait une inbox avec ok, c'est moi, j'étais intéressé. Je ne vais pas passer vos photos comme ça directement, je fais pas ça. On va voir ce que ça va donner. Si on peut commencer à constituer quelque chose déjà,
Le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, au début des relations, vous n'êtes pas honnête. Il y a des gens qui peuvent chercher une relation. Hein. Ok, je suis au Cameroun, j'ai pas de situation. Je cherche quelqu'un avec qui je vais me mettre. Si ça donne, je monte rester en Europe avec la personne. Mais tu vas venir, tu vas commencer à dire non, tu sais, non. Tu peux te dire que non, moi je veux juste m'amuser pour l'instant. Je cherche quelqu'un avec qui causer. Apprenez à être clair dans vos propos. Ne viens pas dire parce que la femme veut que tu lui promettes de l'épouser. Tu dis je vais t'épouser. Ouais, je compte me marier dans 3 mois. Hein. Ah, tu sais, tu flashes ses yeux, tu dis qu'elle veut écouter. Et non, pas besoin de ça. L'honnêteté est cool. Je rêve d'un espace si on peut faire le speed dating, ce serait cool. Christian Yannou, écrit à Virginie Inbox. Il ne faut pas qu'elle donne ce WhatsApp ici là. Il faut pas que tout le monde la contacte. Voilà. Écrivez-vous Inbox. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées comme ça. Hein. Ils ont écrit sur WhatsApp. Oui, Marie-Laure, toi quand même, je sais que tu es sérieuse. Ça fait quand même un bon bout de temps. Oui, grâce divine. Si on pouvait faire. Tu vois, le speed dating, non? C'est-à-dire, je m'assois avec toi, je te parle pendant 2 minutes. Je ne vais pas parler avec l'autre personne pendant 2 minutes. Je ne sais pas s'il y a une plateforme qui permet de faire ça. J'ai envie d'organiser un truc comme ça. On se connecte et on parle tous les uns avec les autres pendant une certaine durée de temps. On voit si le feeling passe. Après, tu peux cocher le candidat. Je crois que si ça ne marche pas en ligne, on va faire un truc comme ça en présentiel. Je parle un truc comme ça. D'accord. Donc, tous les numéros sont ici en haut du direct. Ok, Zoom. Hein. Zoom, ok. Je vois tout le monde dit Zoom. Et si parmi vous, il y en a qui peuvent enseigner la sexologie. Parce que beaucoup de couples africains sont très bloqués au niveau du sexe. Ils ont des petites qui n'aiment pas parler de ça. Donc si j'aimerais bien qu'on puisse. Vous connaissez un spécialiste dans ce domaine-là, vous me dites. Écris-moi sur Messenger. D'accord, avec Zoom, on peut parler avec plusieurs à la fois. Mais veux-tu mettre ton numéro ici, pourquoi? Ouais, qu'est-ce, Seigneur? En tout cas, c'est à tes risques et périls. Vois son numéro là-bas. Je me casse, pourquoi? Quand quelque chose est précieux, ma chérie, on n'expose pas. Tu as compris? On n'expose pas. Comment vous parlez, vous ne comprenez pas, là? Et c'est que sûrement, tu te dis qu'en mettant comme ça, tu as plus de chance. Et tu grilles tout, ma chérie. Caroline, les ancêtres ne menacent pas les gens. Tu ne connais pas juste ce qu'ils veulent. Tu ne comprends pas ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas le débat de ce soir. Vous savez qu'il parle beaucoup des ancêtres et missions de vie. Ce soir, je ne suis pas en train de parler de ça. Makati, how are you? I'm so sorry. I'm not talking in English today. I actually never talk in English. But just for you, I will spend the next 30 seconds. I'm trying to connect boys and girls tonight. Like, you know, those that want to date. So I'm trying to organize something like a dating meeting. Yeah. How are you? Je veux qu'on fasse des trucs de sexologie parce que beaucoup d'Africains se mettent entre eux, mais ils ne discutent pas des sujets importants. Ils ne discutent pas des sujets importants, genre, qu'est-ce que tu aimes au lit? Sérieux?
Imagine que tu sois avec quelqu'un, tu n'as jamais demandé à la personne qu'est-ce qu'il aime. Est-ce que vous savez qu'il y a les femmes qui connaissent ce qu'elles aiment? Non, mais j'ai juste dit que tu ne mets pas ton numéro ici. N'expose pas ton numéro ici. Tu m'envoies un inbox, je peux envoyer à monsieur la merveille, vous causer. Mais ne le mets pas sur le direct, c'est juste ce que j'avais proposé. Donc, il y a beaucoup de personnes, vous êtes ensemble, tu te dis que ta femme va aimer ça. Et elle a encore plus peur parce qu'elle ne connaît pas ce que tu aimes et elle a peur de te demander. J'ai été même dans une relation une fois. Je vous assure que la taille de la personne ne m'intéressait pas. Sérieusement. C'était la seule fois de ma vie où j'avais été avec quelqu'un dont la taille était assez. C'était comme ça. C'était Jacques. T'as même, je suis une grande femme. Il me faut les grands trucs. Maman, c'était dur de dire à la personne. C'était dur de dire à la personne que je te quitte comme ça là parce que ça ne va pas, gars. Ça ne va pas. Je prétends trop. Je simule beaucoup. Et imagine si vous avez fait le jour où vous étiez marié. Et qu'on m'a vendu, on m'a arnaqué. Tu as acheté le produit dans le sac. Et voilà, ça, tu es condamné. Oh my God. You know what? Really? You organized for you and I? When I met you at the airport, you never said something. You just let me go. How could you? Now you're living so far away and I'm here, you know. Jumo, tu fuis quoi? Ne fuyez pas, pardon, ne fuyez pas, venez, on doit parler de ça ici. On doit parler de ça. Quand le dieu ne fait pas bien ou quand le truc du dieu est trop petit, tu fais comment? Tu dois en parler avec lui. Et je vous savez quoi, de toutes les personnes avec lesquelles j'ai testé, le gars le plus bon, le plus doux, le plus gentil, le plus compréhensif. Ma chérie, attends, Marie-Laure, tu fais comment pour dire que gars, je t'aime bien, elle. Parce que le truc là, ça ne se change pas. Est-ce qu'il va aller faire la muscu pour que ça grossisse? Et tu vois le genre de gars qui, quand il est en train de parler au départ, quand tu n'as pas encore goûté son whey, il te dit, ouais, tu sais, j'ai des femmes mariées qui m'ont poursuivi. Hein. Moi, j'ai des femmes mariées qui quittaient leur mari, elles venaient tromper leur mari avec moi. Le jour où tu goûtes, tu fais. Oh my God! Pardon, laissez. Oh my God. Non, ma chérie. L'autre là, prends le capuchon du Bic. Qu'on passe au capuchon du Bic, tu me dis. Hein? Ah, Michel! Michel, tu as fini alors? C'est parce qu'il connaissait. Parce qu'il connaissait son handicap. C'est pour ça qu'il était gentil. Océanie, un jour je lui dis que tu sais quoi? Tu sais, je peux prendre un autre truc pour ajouter dessus. Il dit non, 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 non. Moi, il ne veut pas, il ne veut pas. Il dit que ouais, s'il savait que je veux l'aider. Bon, attendez, je ris.
Seigneur. Tu lui proposes ma mère. Il dit non. Il dit non. Ce sera seulement mon truc, rien d'autre. Tu le regardes aussi. Michel, s'il me suit, ce sont des choses que généralement tu n'informes pas quelqu'un sur sa situation. Il connaît déjà. Maintenant, cacher la chose, cacher le sujet et ne pas vouloir l'aborder, ça c'est encore un autre problème. Et moi je fais très rarement les choses que je n'aime pas. C'est très très difficile de me forcer à faire ce que je n'aime pas. C'est pour ça qu'on dit que je suis trop contrôleuse ou manipulatrice, je sais pas. C'est difficile de me faire faire quelque chose que je ne veux pas faire. Parce que pour moi, tout ce que je fais, je dois aimer. Ça doit me faire plaisir. Si c'est pas manger, c'est quelque chose que j'aime. Si c'est pas, je veux faire l'amour, c'est avec quelqu'un que j'aime. Oui. C'est une habitude que j'ai pris comme ça avec le temps. Donc, de là à dire que je vais être frustrée parce qu'il faut absolument que je ne frustre pas quelqu'un. Et c'est même pas comme si tu frustrais la personne, hein. C'est un fait qui est là. Franchement, c'était la première fois que j'avais ce genre de situation. Parce que généralement, j'ai le flair. Je ne veux pas vous mentir. 99%, à part le cas là, 99% des fois où j'ai été attirée, pardon, c'est comme si l'énergie de la personne m'attirait. Quand on est arrivé, on a fait, je dis que mon instinct ne m'a jamais trompé. Jusqu'aujourd'hui là, jamais. Jamais. Et ce cas-là, ce n'était pas un contact physique d'abord. La première attraction n'était pas physique. Caroline Wamba, tu as des questions, je fuis tes questions depuis, tu as compris. Parce que j'ai l'impression que tu n'es pas dans ce que je dis. Caroline Wamba, non, je ne vais même pas commenter ces questions. Comment une mère qui est adulte peut te demander si elle peut mougaver le petit de sa voisine? Christian, toi-même. Je n'aime pas moi les questions trop, qui ne sont pas. C'est pour ça qu'elle ne répond pas. Les questions pièges, avant de dire que c'est, oh, c'est la reine aussi qui avait dit. Pour avoir le flair. Oh, le flair. Tu attrapes, tu peux juger la nourriture quand c'est encore dans le carton. Après, tu dis, je me trompe rarement. Et si tu as pu avoir le flair pour une nourriture, tu auras encore le flair. Les nourritures ne finissent pas, c'est dehors. C'était les affaires qu'on fait le chantage. Oh, j'aimais mon ex. Je veux qu'il revienne. Promets-moi qu'il va revenir. Il va revenir. Ouais, je l'aime. Je dis que quelle est. Y'a que. Ma chérie. Ma chérie.
tu as bien parlé, l'attraction est électrique. C'est pour ça que les gens qui sont spirituels, côté sexe, mince, ils sont comme les démons, je dirais même comme les démons. Ils ont une attraction spirituelle très forte. Il y a des jours où je sors, je brille tellement que même le pousseur va me draguer. Jacques, en te regardant, c'est possible de te manger. C'est donc, si tu bouges, on ne sait pas comment te mettre au sol. Yes. Aujourd'hui, deux hommes m'ont dévisagé. J'arrive dans un restaurant, m'assois pour manger. Le serveur vient. Et, madame, vous voulez quelque chose d'autre? Vous voulez que. Si vous voulez se coucher pour que je marche sur lui. Il vient, me serre, il me regarde dans les yeux. Il dit, c'est tout, madame. Il dit que monsieur ne me drague pas avec les yeux. C'est quoi ça? Les choisir ont une attraction très 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 forte. Très. Homme comme femme. Très. Taïwo, ouais Seigneur, vos commentaires vont me faire rire, c'est ce qu'on va pas venir. Elle dit que c'était petit et mince, il voulait faire trois fois par jour. Oh my God. Oh Seigneur. Tu sais, quand tu dis que je t'ai libéré comme ça, il y a quelqu'un encore dedans. Quelqu'un encore dans le genre de relation, la personne va regarder son partenaire cette nuit comme ça. Là. Aïe. Ah, yeah. Seigneur. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend haut. Ma chérie, si tu es sans, tu n'as pas de relation actuellement, tu crois que. Non. Tu as rencontré la personne, tu as encore rencontré une autre. Nadège, j'ai lu, non. Tu as dit qu'il est marié et il est musulman. Ah, il t'a appris comme sa deuxième, non. Faites seulement, non. Soyez seulement. Tu veux que je te dise quoi, mamie? La merveille, tu parles comme ça parce que ta part n'est pas petite. C'est pour ça que tu as donné un conseil aux gens. Pour manipuler ta part là, est-ce que tu as un problème avec ça? Tu manipules bien, non? N'est-ce pas? Hé, la merveille, je vais te trahir ici là. Pourquoi tu viens maintenant, tu veux noyer les filles là? Bonsoir, monsieur Caris. Vous noyez les gens ici là. Bonsoir Andia. Souvent quelqu'un t'utilise, non? Il t'utilise, après tu te rends compte qu'il était marié ou il avait sanga. Il croit qu'il t'utilisait, mais en fait il ne sait pas que c'est toi qui l'utilisais. Oui. Tu dis que monsieur ne t'inquiète pas, toutes les fois là j'ai aimé, ça m'a plu. Ça m'a plu. Après qu'on dit que wow, il m'a utilisé, il m'a jeté. Non ma chérie, tu l'as utilisé, tu l'as jeté. Oui. À des user, à des trouver. Arrêtez de vous faire utiliser, vous pleurez. Tu pleures quoi? Quand j'étais sur lui, tu criais là. Tu criais là, ma chérie. Changez le vocabulaire. Changez le vocabulaire. J'ai fait semblant de me laisser utiliser. Ça m'a plu. Oui. Après, j'ai fait semblant de me laisser jeter. Oui.
Est-ce qu'il te forçait? Est-ce qu'il t'a mis sur lui? Il a mis ça. Il a mis ça. Non. Toi-même, tu es parti, tu t'es mis, tu ok, ma chérie, c'est comment? Donc, pendant, il faut seulement enjoy bien. Bien. De préférence, si tu peux crier, tu cries. Voilà. C'est pour ça que vous êtes parti à l'hôtel. À la maison, parfois, il peut y avoir des témoins qui ne sont pas bons. C'est vrai que vous ne m'avez jamais vu sur ce jour-là. Vous ne m'avez jamais entendu parler des choses comme ça. Vous croyez que je ne fais pas l'amour, non? N'est-ce pas? Je suis vierge, n'est-ce pas? Ah, Seigneur. Facebook. Ah, deux personnes s'enjaillent et vous y allez, vous, ensemble. Bonsoir l'enseignante Carole. C'est bien Aline, le volume est bon. Libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Et quand tu te libères, ne pense pas au jour où ça va se gâter. Parce que souvent, tu es en train d'enjoyer ta chose et tu dis, hey, et je suis en train d'enjoyer comme ça. Quand ça va se gâter, les gens vont se moquer de moi. On dit que oui, on t'a vu ici, là, avec telle personne. Tu faisais comme si tu étais arrivé. Enjoy quand même maintenant. Océanie, il dit que tu l'as utilisé. Même moi, on m'a fait 5 fois. Il dit que tu venais d'avoir derrière moi pour mon argent. Hein? Tu crois que tu étais sage, non? Tu crois que tu étais sage, non? You don't find sagesse pas yours. Mm-hmm. Est-ce qu'une femme spirituelle doit avoir l'homme à ses côtés? Je vais te retourner la question. Est-ce qu'une fille, une femme spirituelle a un organe sexuel? Réponds. La femme spirituelle, elle n'a pas les seins, non? Regardez. Ça là, vous pensez que c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Regardez bien en profil. Ça c'est quoi? C'est quoi? Donc tu crois que quand on m'arrête la sandwich? Ah. Eh Seigneur, Seigneur, Jesus is Lord. Réponds à ta propre question. Donc quand on va me faire, ça ne sera pas bon, n'est-ce pas? Monsieur Christian Yannou. C'est parce que 99,9999% d'entre vous ne vont jamais m'entendre ou me voir faire l'amour. Quand je suis là-bas, j'oublie que je suis spirituel. Est-ce qu'il y a spiritualité sur ça? Est-ce qu'il y a spiritualité sur ça? Ah. Le goût de ça, tu parles de quoi? Le goût. Le beau des beaux. Elles sont célibataires, mais je n'ai pas... Célibataires, est-ce qu'elles ne font pas l'amour? Claudine, tu dis que tu meurs. Non, je ne pisse pas. Je n'ai pas d'organes sexuels. Je n'ai pas. En bas là, c'est plat. Il y a un tuyau qui met dans mes règles ici là, ça tire l'eau. Ça, je n'ai pas d'organes. Ça là, c'est rien. J'ai mis ça. J'ai mis le pompé ici là. J'ai mis le pompé. Seigneur, pardon. Hey.
Moi, si on me dit que je vis sans faire l'amour, pardon, pardon, je vous en prie, excusez ma vie, please, please. Ne fais pas. Ah. Vous faites, je ne fais pas. Hein? Vous faites, je ne fais pas. Aïe. Vous partez, vous mangez, je ne mange pas. Vous avez menti. Vous avez menti. On sait que vous faites après vous découvrez que tel pasteur il a engrossé toutes les filles de la chorale. Parce qu'on l'avait sous-estimé. Alors qu'il avait ses propres pulsions. Et pasteur, comment tu as pu faire ça? Voilà. Voilà, vous savez, tu dis la même chose de Michel. Pasteur, comment tu as pu faire ça? Ouais, pasteur, on croyait en toi. Si elle est collante, peut-être qu'elle te veut, tu ne sais pas, Christian. Et tu la fuis aussi. Arrêtez d'appeler vos amis petite sœur. Peut-être que tu l'appelles que ta petite sœur, alors que dans sa tête, tu n'es pas son petit frère ou c'est son grand frère. Je vous ai dit d'arrêter de voir les gens qui vous veulent là comme vos petits frères ou petites sœurs. Caroline Wamba, j'ai compris. Fais de ton mieux pour oublier la personne. Moi, je dis toujours, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien de venir devant les gens prétendre que je ne fais pas. Tu viens, tu dis que non, moi je... C'est ça que je vous ai dit, que même si vous voulez sortir ensemble, au départ de la relation, que ton corps me plaît. Je t'ai rencontré à 16h, il est 18h, j'ai envie de te faire l'amour. Point. Mm-hmm. Tu es d'accord? Mm-hmm. Les Anglaises alors sont championnes pour ça. Les Anglaises ne blaguent pas. Ouh. One night stand. Le lendemain, tu la vois en route, fais comme si tu ne la connais pas parce qu'elle va t'ignorer. Elle va faire comme si elle ne te connaît pas. One night stand. Tu vois, Christian, c'est toi qui faisais l'ignorant. Tu faisais semblant. Tu comprends son problème, mais tu fais comme si... Non, vous avez voulu le direct, non? Vous allez voir le direct là, aujourd'hui. Le beau des beaux. Le beau des beaux. Ça c'est vrai, les hommes mariés qui te font toujours croire que ça va mal chez eux là. Si elle ne te dit pas ça, tantôt on dit que oh, tu m'as. Que j'ai doté la fille là. Hein. Elle est encore chez moi parce qu'elle n'a pas l'endroit où elle va aller dormir. Que je m'occupe encore d'elle parce que je l'avais dotée. Parfois il me dit que mais si on filme la personne qui est en train de mentir là. Après, on lui montre son film de son mensonge. Quand il va se regarder, il va pas se sentir ridicule. Oui, la majorité des femmes spirituelles sont très jolies, très attirantes. Très. Déjà, si elle est en consultation avec toi, elle doit beaucoup se maîtriser. Parce que nous aussi, parfois, on a des hommes qu'on rencontre. Il y a des hommes, vous savez qu'il y a des gens qui ont une énergie sexuelle très forte. Très forte. Donc quand j'ai des clients hommes, généralement, je ne consulte pas les hommes seuls à seuls comme ça, non. J'ai toujours le staff avec moi. Surtout, c'est des trucs de lavage et qu'on sort là. Je ne prends pas de risques. Ça arrive rarement, très rarement, que tu vois un homme bien bâti qui arrive là, tu regardes comme ça, tu dis... à chaque fois qu'il parle, tu dois encore te ressaisir, tu dis... Oui, c'est très très rare. Je pense que pour les hommes, c'est différent parce que la femme est facilement, la femme est facilement attirante. Et il suffit qu'elle fait un peu les seins dehors comme ça, là.
Ouais. C'est plus une âme pure qui m'attire beaucoup. Et c'est très rare. C'est très rare de voir quelqu'un qui arrive avec une âme très pure. Ouais. Donc vous croyez que je ne fais pas. Vous voulez être heureux seul. Vous voulez être heureux seul. Hein? Ah. Vous êtes égoïste. Après que marraine, marraine, vous êtes égoïste. Hey. Il y a les gens de nourriture que quand tu manges, tu trouves les habits en solde. Tu appelles ta soeur, tu dis que viens, il y a les soldes ici. Hein? Vous voulez manger les bonnes choses seul. Non, moi j'aime les bonnes choses. Un homme spirituel avec une femme spirituelle, c'est... Un homme spirituel et une femme spirituelle, c'est très difficile qu'ils restent ensemble. Ils veulent que j'accouche. Moi, je suis comme vous me voyez là. C'est difficile que quelqu'un me voit dans mon direct. Il veut même me voir physiquement, je suis différente. Comme je vous parle là, au direct là. Si tu me vois dans la rue, tu vas facilement me reconnaître. Bah, c'est comme ça qu'il parle. Aujourd'hui, j'entre dans un magasin. J'ai envie de meubler mon appartement. Une femme me voit, elle crie. Ah, Marie, ah. Je ne l'ai même pas calculé. Je suis quand même se sentir offensée. Je vais te faire mon shopping, tu veux m'arrêter, tu me dis quoi? Mon numéro est sur la page, tu ne m'as jamais contacté. Tu me trouves en route, tu peux m'arrêter, je vais prendre mon temps pour te voir. Hey, pardon. Ils ne peuvent pas rester ensemble parce que quand ils parlent de spirituel, je parle de vraiment, vraiment spirituel. C'est d'abord au niveau énergétique. Niveau énergétique d'abord. Quand un homme est spirituel, il a une forte énergie. Pareil pour la femme. Et quand l'énergie de l'homme monte, ça va vouloir dominer. Quand vous êtes spirituel d'abord, vous êtes entouré. Vous avez une forte armée. Donc, quand tu vas te coucher pour dormir, même si on regarde dans le monde spirituel, quand deux personnes trop spirituelles font l'amour, dans le monde, ça m'est arrivé une seule fois. Quand vous commencez à faire l'amour, c'est comme si tu fermes les yeux, pendant que tu es en train de faire l'amour, si tu te laisses voir les visions, ce qui se passe dans le monde spirituel, tu vas carrément voir, c'est comme si une bataille de Dieu carrément. Ça, c'est, je sais que très peu de personnes vont comprendre ça, mais certains vont comprendre. Il y a le moment où vous dormez. Quand tu dors et que tu es très spirituel, tu as beaucoup d'énergie qui vient autour de toi. C'est à l'heure là que tes gens viennent pour te donner un message, pour t'opérer, retirer les choses, les mauvaises énergies de la journée, pour te... je sais pas, plein de choses. Maintenant, si l'autre personne qui est à côté de toi est aussi très fortement spirituelle, il y aura clash. C'est pour ça que généralement, une personne qui est très fortement spirituelle doit être avec quelqu'un qui n'est pas... Même si tu es fortement spirituel, mais pas le même rank, pas le même boulot, la même fonction. Sinon, quand tu vas te coucher comme ça, ils vont venir. Ils vont commencer à causer avec toi. Parce que dans le sommeil, tu t'entretiens avec tes gens. Puisqu'il est à côté de toi, il fait partie de votre réunion. Et s'il est trop réveillé spirituellement, ça peut être un frein dans ce que vous êtes en train de faire. Par contre, s'il est juste... tu vois, j'ai des personnes calmes qui ne parlent pas beaucoup là. Il regarde seulement. Ça encore, ça va. C'est pour ça que vous allez souvent voir, vous les choisir là. Vos maris ne comprennent rien à votre spiritualité. Quand tu commences à faire tes chants,
il se lève, il passe seulement au salon, pardon. Il ne veut même pas. Il ne veut même pas. Rechain Yannou, si vous avez tous les deux la même fonction, non, ça peut pas aller. Maintenant, Christian, de ton énergie, je sens que tu es quelqu'un que tu n'es pas très clair. Tu es quelqu'un qui est comme ça. Tu n'es pas comme ça. Tu comprends? Si vous couchez ensemble, l'enfant peut entrer, non? La nature va te donner ce qui est bien, mais après, la nature ne va pas te forcer. Hein, parce que si tu veux faire, ils vont te laisser faire. On m'a dit qu'on ne fait pas, mais si tu veux faire, ils ne vont pas t'empêcher. Tu vas faire. Tu vas aller faire l'enfant. Christian, je connais très bien les gens et les personnes comme toi. I can feel you. Ah, il me faut un peu d'eau. Par contre, dans le monde spirituel, il y a ceux qui sont... Ils ne sont pas très, 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 très éveillés. Juste à la bonne mesure qu'il te faut. Il peut prier pour toi, il peut t'assister. Il n'est pas un frein pour les instructions qu'on va te donner. Il ou elle, hein, a tout tendance à parler de la perspective d'une femme. Bon, pardonnez-moi. Julie, je vous bloque moi avec mes humeurs. Tu as compris, mamie? Tu viens, tu demandes le sujet de ce soir. Tu demandes deux fois. Après, tu viens dire, hey girl. Si c'est édifiant ou pas, je m'en fous. Non, Yann Farid, tu ne transmets pas l'énergie à l'enfant. C'est toi qui entres dans la femme. Donc tu te communiques avec les chakras de la femme. L'enfant est dans la femme. Donc, logiquement, non. Mais après aussi, tout est possible. Non, j'avais soif. Hey, j'avais soif. Moi, j'aime boire l'eau. J'aime beaucoup boire l'eau. J'ai passé une très très longue soirée avec vous. Maintenant, il faut que je parte dormir. Pour certains, il faut qu'on aille faire l'amour. Pour d'autres, on doit aller dormir. Aller dormir. Je n'interprète pas les rêves ce soir, donc si ça ne vous plaît pas, passez une bonne soirée. Soyez bénis.